Sagesse des anciens. Comment intégrer des vérités éternelles dans votre vie de tous les jours? De Wayne Dyer. À la narration, Vincent Davy, Caroline Boyer. S'il m'arrive de penser à quoi ressemblait le monde à diverses époques, je suis fasciné par ce que ces gens ayant vécu avant nous ont pu ressentir dans leur cœur. Imaginez que Confucius, Bouddha, Jésus-Christ, Michel-Ange, Léonard de Vinci, Shakespeare, et tant d'autres parmi ceux que nous vénérons comme nos maîtres et nos directeurs spirituels, ont foulé le même sol que moi, m'intrigue au plus haut point. Mais plus intrigant encore, c'est ce que ces grands esprits ont voulu nous faire comprendre. Nous retrouvons leurs observations sur les grandes leçons de la vie dans leur prose, leur poésie et leurs discours. Bien qu'ils aient vécu à des époques reculées où les conditions de vie étaient tout autres, il est évident qu'ils ont encore quelque chose à nous enseigner. D'une certaine façon, ces brillants esprits du passé sont encore parmi nous à travers leurs paroles et leurs écrits. Vous êtes sur le point d'être touché par 17 âmes qui s'adressent directement à vous à travers l'espace et le temps. Laissez-vous guider par ce qu'il y a de plus grand. Écoutez leur poésie. Laissez-la prendre vie, laissez-la scintiller dans votre esprit, puis mettez cet éveil intérieur au travail. Nous sommes tous profondément reconnaissants envers ceux qui font battre le cœur de la vie plus vite et plus fort. Dans mon cas, ces grands maîtres du passé y sont parvenus et je vous encourage à appliquer, vous aussi, ce langage du cœur et cette sagesse intemporelle dans votre vie. Méditation. Apprenez à faire le silence en vous. Laissez votre esprit apaisé, écouter et absorber ce qui l'entoure. Pythagore. Tout le malheur des hommes vient d'une seule chose qui est de ne pas savoir rester seul avec soi-même. Blaise Pascal. Ce chapitre est le seul dans ce recueil où j'ai choisi de souligner l'apport de deux auteurs majeurs pour un même sujet. Mon choix s'est porté sur deux hommes dont les vies sont séparées par plus de deux millénaires, mais qui étaient considérés à leur époque respective comme des mathématiciens et des scientifiques inégalables. Pythagore, philosophe et mathématicien grec, S'intéressait tout particulièrement à la théorie musicale et à l'étude des mathématiques en relation avec les mesures de poids et de distance. Blaise Pascal, philosophe, scientifique, mathématicien et écrivain français, est l'auteur de plusieurs théories ayant contribué au développement de l'hydraulique et de la géométrie pure. En gardant à l'esprit la tendance de ces deux scientifiques à utiliser avant tout l'hémisphère gauche de leur cerveau, hémisphère associé à la science et à la rationalité, écoutez à nouveau leurs deux citations. Pascal Tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne pas savoir rester seul avec soi-même. Pythagore Apprenez à faire le silence en vous. Laissez votre esprit apaisé écouter et absorber ce qui l'entoure. Ils parlent tous deux de l'importance du silence et de la méditation dans votre vie, de la création de moments de solitude, que vous soyez un comptable ou un avatar. Si vous voulez vous débarrasser de vos tracas, apprenez à demeurer en silence avec vous-même et à méditer. La plupart d'entre nous avons un esprit qui tourne à plein régime jour et nuit. On estime qu'une personne a en moyenne soixante mille pensées distinctes au cours d'une journée. Ces pensées sont un tissu de monologues intérieurs où il est question d'horaires, d'argent, de soucis, de fantasmes sexuels, de listes d'épicerie, de rideaux, de problèmes de famille, de plans de vacances et ainsi de suite, comme un manège qui n'arrête jamais de tourner. Apprendre à faire le silence et à méditer implique donc que vous trouviez une façon de vous glisser entre ces pensées dans ce que j'appelle la brèche. Dans les espaces vides et silencieux qui séparent chacune de vos pensées, il est possible de savourer un moment de pure tranquillité dans un monde qui nous est habituellement inaccessible. Là, l'illusion que vous êtes un être séparé des autres n'a plus cours. C'est dans ce lieu de silence, où un maître ancien comme Pythagore nous invite à laisser notre esprit écouter et absorber ce qui l'entoure, que la confusion disparaît pour faire place à l'apparition de conseils éclairants. La méditation transforme également la qualité de nos activités non silencieuses. La pratique quotidienne de la méditation est la seule chose dans ma vie qui me procure un sentiment de bien-être, qui me donne de l'énergie, qui améliore ma productivité à un niveau de conscience supérieur et qui me permet d'entretenir des relations interpersonnelles plus satisfaisantes et de me rapprocher de Dieu. L'esprit est semblable à un étang. À la surface, vous voyez toutes sortes de turbulences et pourtant celles-ci ne représentent qu'un aspect de l'étang. C'est sous la surface, dans les profondeurs, Là où rien ne bouge, que vous découvrirez la véritable essence de l'étang, ainsi que celle de votre esprit. En allant sous la surface, vous vous infiltrez entre vos pensées, là où vous êtes en mesure de pénétrer dans la brèche. La brèche, qui n'est que vide et silence, est indivisible. Peu importe le nombre de fois où vous coupez le silence en deux, vous obtenez toujours plus plus de silence. C'est ce qu'on entend par maintenant. Et c'est probablement l'essence même de Dieu, une et indivisible. Ces deux pionniers de la science que nous citons encore aujourd'hui dans nos universités s'intéressaient à la nature de l'univers. Ils se sont attaqués au mystère de l'énergie, de la pression, des mathématiques, de l'espace, du temps et des vérités universelles. Le message qu'il nous adresse est pourtant fort simple. Si vous voulez comprendre comment fonctionne l'univers ou votre propre univers personnel, vous devez accueillir le silence, faire face à votre peur de demeurer en repos et ainsi plonger dans les profondeurs de votre esprit. Pour découvrir la nature créative qui habite en vous, vous devez prendre le temps d'accueillir chaque jour le silence et pénétrer dans cet espace extatique qui sépare chacune de vos pensées. Tout ce que je pourrais dire sur l'importance de la méditation ne pourra jamais vous convaincre. En fait, vous n'en connaîtrez jamais la valeur à moins de vous engager à la pratiquer tous les jours. La méditation n'est pas réservée exclusivement aux aventuriers spirituels qui désirent passer leur vie plongée dans une profonde contemplation sans égard à leur productivité ou à leur responsabilité sociale. En effet, la méditation est une pratique préconisée par ceux qui vivent en accord avec leur foi, par les passionnés des nombres, par les auteurs de théorèmes et ceux qui croient en la loi de Pascal. Il se peut toutefois que vous ressentiez ce dont parle Pascal lorsqu'il écrit Le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie. Voici quelques suggestions pour surmonter cette peur de rester seul avec vous-même et apprendre à faire le silence en vous. Entraînez-vous à prendre conscience du rythme de vos inspirations et expirations afin de prendre l'habitude de vous tourner vers l'intérieur et votre moi silencieux. Vous pouvez vous y entraîner au milieu d'une réunion, durant une conversation et même au cours d'une soirée. Prenez-en simplement conscience et suivez le rythme de votre respiration pendant quelques instants, plusieurs fois par jour. Prenez le temps aujourd'hui de vous asseoir seul dans le silence et observez le fonctionnement de votre esprit. Notez les diverses pensées qui entrent et qui sortent, ainsi que leur enchaînement. Le fait de prendre conscience de l'activité frénétique de votre esprit vous aidera à transcender ce rythme infernal. Lisez un livre sur la méditation pour apprendre comment pratiquer cet exercice ou joignez-vous à un groupe de méditation. Il y a sûrement des professeurs et des organisations dans votre localité qui peuvent vous aider à assimiler les rudiments de base. Plusieurs CD peuvent également vous guider dans votre apprentissage de la méditation. Choisissez tout simplement un CD qui vous plaise. Ne croyez pas ce que vous avez entendu. Ne croyez pas les traditions, car elles sont passées entre les mains de plusieurs générations. Ne croyez pas ce qu'on répète sans cesse. Ne croyez pas simplement parce qu'il s'agit des écrits de quelques vieux sages. Ne croyez pas aux conjectures. Ne croyez pas à l'autorité, aux maîtres ou aux anciens. Mais après une observation et une analyse attentive, si cela correspond à la raison et profite à tout un chacun, acceptez-le et vivez votre vie en conséquence. Bouddha Fondateur du bouddhisme, l'une des principales religions mondiales, le Bouddha est né prince Siddhartha Gautama dans le nord-est de l'Inde, près de la frontière du Népal. Voyant que la tristesse, la maladie et la mort touchaient même les plus riches et les plus puissants de ce monde, il décida d'abandonner la vie qu'il menait pour se mettre à la recherche d'une vérité supérieure. Le nom Bouddha est en fait un titre que l'on pourrait traduire par celui qui est éveillé ou celui qui a connu l'illumination. C'est le titre que l'on donna à Siddhartha Gautama qui abandonna sa vie princière à l'âge de vingt-neuf ans pour entreprendre la quête spirituelle de toute une vie et trouver une façon de se libérer de sa condition humaine. On dit qu'il écarta les enseignements de ses contemporains et atteignit l'illumination ou l'ultime compréhension grâce à la méditation. Il assuma par la suite le rôle de professeur, et enseigna à ses disciples le Dharma qui veut dire vérité. Ces enseignements sont aujourd'hui à la base de la pratique du bouddhisme, une religion qui a joué un rôle majeur dans la vie spirituelle, culturelle et sociale de l'Orient et de l'Occident. Dans le passage que j'ai choisi, le mot-clé est sans contredit, croire. En fait, la phrase-clé est, ne croyez pas. Tout ce qui constitue ce que vous appelez vos croyances repose en grande partie sur les expériences et les témoignages des autres. Si l'une de vos croyances vient d'une source extérieure, même si le processus de conditionnement est des plus convaincants et que de nombreuses personnes comme vous tentent de vous convaincre de la véracité de cette croyance, le fait qu'il s'agisse de la vérité de quelqu'un d'autre implique. Que vous l'acceptiez avec scepticisme. Si j'essayais de vous convaincre que la chair d'un certain poisson est délicieuse, il est probable que vous m'écouteriez, mais vous continueriez à avoir des doutes. Si je vous montrais la photographie du poisson, accompagnée du témoignage de cent personnes qui corroborent mes dires, vous seriez peut-être un peu plus convaincu. Mais, un doute persisterait car vous n'avez pas vous-même goûté la chair de ce poisson. Vous ne contesteriez probablement pas le fait que je la trouve délicieuse, mais tant que vos papilles gustatives n'en auraient pas fait l'expérience, votre vérité ne serait qu'une croyance fondée sur ma propre vérité, sur la foi de ma propre expérience. Et il en va de même pour tous les membres de votre tribu et leurs ancêtres avant eux simplement parce qu'on vous l'a dit, parce qu'il s'agit d'une tradition immémoriale, parce qu'elle s'est transmise de siècle en siècle, et parce que les plus grands maîtres de ce monde l'ont endossé, ce n'est pas suffisant pour adopter une croyance. Rappelez-vous le « ne croyez pas » du Bouddha. Au lieu d'utiliser le terme croyance, essayez d'utiliser le terme connaissance. Quand vous avez vous-même goûté à la chair du poisson, vous possédez une connaissance. Autrement dit, vous avez eu un contact conscient avec l'objet de votre croyance et vous pouvez établir sa vérité en vous basant sur votre propre expérience. Vous savez nager ou rouler à bicyclette, non pas parce que vous avez une croyance, mais parce que vous en avez fait l'expérience. Celui qui a connu l'illumination vous rappelle, par-delà les siècles, d'appliquer cette même compréhension dans votre vie spirituelle. Il y a une différence fondamentale entre savoir et être au courant. Être au courant est en fait un synonyme de croyance. À l'inverse, le terme savoir est exclusivement réservé aux expériences directes qui impliquent l'absence de doute. Je me souviens d'un guérisseur renommé à qui j'avais demandé comment l'on devient guérisseur. Il m'avait répondu ⁇ Dans le processus de la maladie, lorsque le savoir est confronté à une croyance, le savoir triomphe toujours. ⁇ Quand je pense aux paraboles de Jésus-Christ, un autre grand guérisseur, je ne peux exprimer aucun doute. Quand le Christ s'approchait d'un lépreux, il ne disait pas :« Je n'ai pas beaucoup de succès avec la lèpre ces temps-ci, mais si tu suis mes conseils, tu as trente de chances de survie au cours des cinq prochaines années. » Comment ne pas voir le doute qui ronge pareille recommandation Au contraire, Jésus disait, en s'appuyant sur un savoir absolu :« Tu es guéri. » Le même genre de contact conscient avec le savoir permettait à Saint François de faire des miracles. En fait, tous les miracles surviennent lorsque le doute fait place au savoir. Néanmoins, le pouvoir de persuasion des influences tribales est extrêmement puissant. On vous rappelle constamment ce que vous devez ou ne devez pas croire, ce en quoi les membres de la tribu ont toujours cru et ce qui vous arrivera si vous ne tenez pas compte de ces croyances. La peur devient le fidèle compagnon de vos croyances et malgré vos doutes, vous adoptez ces croyances pour en faire des béquilles qui vous aideront à avancer péniblement dans la vie, tandis que vous chercherez une façon d'échapper aux pièges soigneusement placés sur votre route par les générations de croyants qui vous ont précédés. Le Bouddha vous donne ici un excellent conseil et vous pouvez constater que le mot croyance est absent de sa conclusion. Il vous dit que si une croyance est raisonnable et profite à tout un chacun, en d'autres termes, si vous savez qu'elle est vraie parce que vous l'avez vous-même observée et expérimentée, alors, et alors seulement, vivez en accord avec celle-ci. Dans ce livre audio, je vous présente les réflexions de certains des plus célèbres et des plus géniaux esprits créatifs de tous les temps. Il est vrai que leurs conseils viennent d'un autre temps et c'est pourquoi je vous encourage à traiter leurs écrits comme vous traitez tous les écrits qui se sont transmis de génération en génération. D'abord et surtout, essayez de mettre ces conseils en pratique. Demandez-vous, dans quelle mesure ils sont raisonnables et en accord avec le bon sens, et si vous constatez qu'ils améliorent votre bien-être et celui des autres, vivez votre vie en conséquence. En d'autres termes, passez du doute au savoir. On ne peut rien apprendre des efforts des autres. Le meilleur professeur du monde ne peut absolument rien vous enseigner si vous n'êtes pas prêt à mettre en pratique ses suggestions. En fait, ces grands maîtres ne peuvent que vous présenter les choix offerts au menu de la vie. Ils peuvent les rendre très appétissants, vous aider à choisir les items que vous désirez goûter, mais un menu ne sera jamais un repas. Pour tirer profit de ces sages paroles, Voici quelques hors-d'œuvre. Faites l'inventaire de vos croyances. Par exemple, que pensez-vous de la religion, de la peine de mort, des droits accordés aux minorités, de la réincarnation des jeunes, des vieux, de la médecine alternative, de la vie après la mort, de vos biais culturels, de la possibilité des miracles Une fois que vous aurez dressé l'inventaire de vos croyances, Déterminez quelles sont les croyances qui proviennent de votre propre expérience de vie et celles qui vous ont été transmises. Faites l'effort d'expérimenter vous-même ces croyances avant de les tenir pour vraies et de fonder votre vie sur celles-ci. Intéressez-vous à des systèmes de croyances à l'opposé de ceux qui vous sont familiers. Mettez-vous à la place de gens qui sont différents de vous. Plus vous accepterez de vivre des expériences contradictoires, plus vous approfondirez votre propre vérité. Refusez de vous laisser séduire par des arguments reposant sur des idées qui vous sont imposées par des gens bien intentionnés. Autrement dit, cessez de gaspiller votre énergie pour des choses auxquelles vous ne croyez pas ou que vous savez être inapplicables. Action. nous devrions perdre moins de temps à parler prêcher n'est pas rassembler que devez-vous faire alors prenez un balai et nettoyez la maison de quelqu'un vous en aurez bien assez dit mère teresa religieuse enseignante en histoire et en géographie et directrice d'une école de calcutta Mère Thérésa fut appelée à quitter son couvent pour aider les plus pauvres d'entre nous. En 1950, elle fonda avec ses assistantes la Société des Missionnaires de la Charité. Prêcher par l'exemple est encore la meilleure façon d'enseigner à quelqu'un ce que vous souhaitez qu'il apprenne. Nous gaspillons souvent des heures sans nombre à discuter à exprimer nos frustrations face à ce que nous trouvons répréhensible et à échanger des insultes et des exemples de ce qui nous exaspère. Finalement, notre désir de changer les choses ne se concrétise pas et nous continuons à angoisser et à penser que les autres nous traitent injustement. Il est peut-être vrai que la communication est la clé de saines relations, mais j'ai remarqué que plus nous échangeons de paroles, moins le résultat semble satisfaisant cela est vrai de nos relations avec nos êtres chers les membres de notre famille nos employés nos employeurs et même nos propres enfants mère Teresa, cette petite géante de la spiritualité qui travaillait tous les jours dans les rues du calcutta voyant jésus-christ sous tous ses pénibles déguisements comme elle le disait nous offre des paroles d'une grande sagesse avec ce conseil. Nous devrions perdre moins de temps à parler, et par conséquent, nous devrions agir plus souvent. Des paroles qui ne sont pas suivies d'une action ne sont que du vent et rien de plus. Si vous voulez faire comprendre quelque chose à quelqu'un, vous devez sans doute créer un point de rassemblement en modifiant votre comportement. Le vieil adage j'entends et j'oublie, je vois et je me souviens, j'agis et je comprends, s'applique non seulement à ce que vous voulez apprendre, mais aussi à la façon dont vous souhaitez être traité. De toute évidence, vous ne pouvez pas apprendre à nager en écoutant les explications d'un instructeur ou en observant les autres nager. Vous devez vous même vous jeter à l'eau. Et cette même logique implacable s'applique à ce fol échange de paroles interminables que vous croyez être votre seul moyen de communication. Votre comportement est la façon la plus efficace de communiquer avec les autres. Si vous vous retrouvez mêlé à une futile querelle de mots qui ne fait qu'effleurer les vrais problèmes, arrêtez-vous et rappelez-vous la grande sagesse des propos de Mère Teresa. Demandez-vous Que puis-je faire au lieu de continuer à faire valoir vos arguments. Si quelqu'un utilise un langage irrespectueux, formulez clairement votre point de vue. Mais s'il continue à se montrer grossier, passez aux actes. Posez un geste qui rassemble, comme disait Mère Teresa. Quittez immédiatement ce lieu. Si vous avez affaire à un adulte, faites tout votre possible pour lui faire comprendre le sérieux de votre démarche. Demeurez à l'écart pendant au moins une semaine. Si vous êtes confronté à quelqu'un qui a des problèmes d'alcool, ne vous contentez pas d'utiliser des mots pour communiquer votre message. Dites-lui que s'il ne va pas chercher de l'aide, vous cesserez de faire partie de sa vie. Avec les enfants, éliminez leurs privilèges et montrez-vous ferme chaque fois qu'ils violent les règles élémentaires de décence et d'harmonie. Bien sûr, je vous encourage à discuter ouvertement de vos problèmes, mais il viendra un moment où vous prendrez un balai et nettoierez la maison de quelqu'un d'autre si vous souhaitez vraiment être utile. Mère Teresa n'était pas le genre de personne dont on peut dire qu'elle était cruelle ou insensible. Elle consacra sa vie à faire la charité et à aider les plus démunis d'entre nous afin qu'ils soient traités plus humainement. Elle savait qu'il ne suffisait pas d'expliquer aux autres l'importance des actions vertueuses mais qu'il fallait soi-même donner l'exemple. Il n'y a rien de cruel dans le fait de manifester par votre comportement que vous ne fermerez pas les yeux sur les choses que vous trouvez détestables. C'est souvent la seule façon d'apporter un changement durable. Vos paroles, bien qu'importantes, risquent d'être oubliées si elles ne sont pas suivies d'une action. Les gens d'action ceux qui font une différence dans le monde, ceux que nous admirons le plus, semblent tous connaître le bien fondé de ce vieux dicton. Ce que vous faites parle si fort que je n'entends rien de ce que vous dites. Soyez un homme ou une femme d'action, et ce faisant, vous contribuerez à faire comprendre aux autres l'essentiel et connaîtrez un sentiment de satisfaction que tous les mots du dictionnaire ne peuvent exprimer. Pour mettre en pratique le conseil de Mère Teresa, gardez à l'esprit que vous serez traité dans la vie comme vous aurez enseigné aux autres à le faire. Demandez-vous si votre comportement n'est pas une invitation au mauvais traitement que l'on vous inflige. Quand vous sentez que vos paroles n'ont plus aucun effet et vous entraînent dans d'exténuantes explications qui mènent toujours au même résultat, soyez créatif et tâchez de rassembler au lieu de prêcher. Notez par écrit de nouvelles façons d'agir qui vous aideront à faire passer votre message et engagez-vous à les mettre en pratique même si vous êtes tenté de vous lancer dans une nouvelle guerre de mots. Faites comprendre aux membres de votre famille et en particulier à vos enfants votre philosophie de vie en donnant vous-même l'exemple. Malgré tout ce qu'ils pourront dire, ils vous respecteront pour vos actions même s'ils se montrent plutôt sceptiques. Si vous refusez de vous abaisser à argumenter et à vous défendre, et démontrez simplement votre philosophie de vie par vos actions, vous finirez par découvrir la valeur de ces actes rassembleurs. Patience. Ne soyez pas désireux de faire les choses rapidement. Ne cherchez pas de petits avantages. Le désir de faire les choses rapidement empêche de les faire avec minutie. Chercher de petits avantages empêche la réalisation de grandes choses. Confucius Maître et philosophe chinois, dont la philosophie influence fortement la vie et la culture chinoise depuis plus de deux mille ans j'ai placé cette citation de ce grand maître de la chine antique au-dessus de ma machine à écrire afin de me souvenir de ne rien faire qui pourrait m'empêcher de réaliser de grandes choses nous avons beaucoup à apprendre de notre nature et de la façon dont nous entravons l'expression de notre grandeur Malheureusement, nous ignorons souvent notre nature au profit de ce que notre esprit nous présente comme ce qui doit être. La patience est l'ingrédient clé de tous les processus du monde naturel qui vous touchent de près ou de loin. Par exemple, si je m'écorche le bras ou me fracture le tibia, le processus de guérison se déroulera à son propre rythme indépendamment de ce que je pourrais en penser. C'est ainsi que fonctionne le monde naturel. Mon désir de voir mes blessures guérir rapidement est absolument sans conséquence. Mais si je transpose cette impatience dans ma vie personnelle, cela m'empêchera de guérir complètement, comme le soulignait Confucius il y a de cela plus de vingt-cinq siècles. Shakespeare fit preuve de la même sagesse lorsqu'il écrivit comme je plains ceux qui n'ont pas de patience. Une blessure peut-elle guérir autrement que petit à petit Je me rappelle, quand j'étais petit, avoir planté des graines de radis un jour de printemps. Lorsque vint l'été, je remarquai la présence de pousses vertes qui émergeaient du sol. Je les observais croître de jour en jour, mais finalement, N'en pouvant plus d'attendre, je me mis à tirer sur les feuilles de radis, espérant ainsi les faire pousser plus rapidement. Je n'avais pas encore appris que la nature nous révèle ses secrets à son propre rythme. Je tirai donc sur les petites feuilles de radis qui émergèrent du sol sans radis. Ma puérile impatience avait empêché le processus de se rendre à son terme. Aujourd'hui, quand on me demande si je suis déçu parce que l'un de mes livres ne s'est pas classé parmi les meilleurs vendeurs, contrairement à mes livres précédents, je pense à cette observation du sage chinois « Les grandes choses ne craignent pas l'épreuve du temps ». Quel compliment à l'égard de Confucius de citer encore ses paroles et de mettre en pratique ses conseils deux mille cinq cents ans après sa mort. J'écris moi aussi pour ces âmes qui ne se sont pas encore matérialisées, et si cela implique de sacrifier les petits avantages qui découlent d'une bonne position sur une liste de best-sellers, je m'en satisfais pleinement, même si mon ego n'y comprend rien. Une phrase du livre, A Curse in Miracles, laisse perplexe tous ceux qui sont prisonniers de leur ego, car elle semble à première vue contradictoire. Cette phrase est la suivante. Une patience infinie produit des résultats immédiats. Cette phrase fait écho au conseil millénaire de Confucius dont il est ici question. Une patience infinie est le propre de la foi et du savoir absolu. Si vous savez, sans l'ombre d'un doute, que vos actions sont en accord avec votre raison de vivre et que vous êtes impliqué dans la réalisation de grandes choses, vous êtes alors en paix avec vous-même et en harmonie avec votre propre mission. Ce sentiment de paix, d'illumination bienheureuse, est votre récompense immédiate. Par conséquent, une patience infinie vous amène à un niveau de foi où il n'y a aucun intérêt à faire rapidement les choses. Vous cessez de ressentir le besoin d'obtenir des résultats immédiats, car vous avez compris que vos plaies et vos blessures guériront au rythme de la nature et non au rythme de votre impatience. Ce genre de certitude m'a beaucoup aidé dans mon travail d'écriture et dans ma vie professionnelle. Avec mes enfants, un résultat décevant ou une contre-performance passagère ne m'inquiète plus outre mesure. Car j'ai à présent une vue d'ensemble de leur vie. Comme le dit ce proverbe oriental, probablement inspiré des écrits de Confucius, avec du temps et de la patience, la feuille du mûrier devient une robe de soie. Et c'est ainsi que je vois mes enfants. Nous profitons bien sûr des petits avantages qui s'offrent à nous ici et maintenant. Mais je sais que ces revers contribueront à révéler leur grandeur plutôt qu'à la ternir. L'impatience engendre la peur, le stress et le découragement. La patience se manifeste sous les dehors de la confiance, de la résolution et d'un sentiment de tranquille satisfaction. Une patience infinie produit des résultats immédiats et Prendre les choses un jour à la fois produit des résultats éternels. Pour constater à quel point l'impatience est absurde, avancez l'heure sur votre montre et tournez les pages de votre calendrier. Alors, avez-vous fait un bond dans le temps Les échecs et la frustration, de même que les succès du moment, Font partie de la perfection de l'univers. En observant la nature, votre nature et celle du monde naturel, vous verrez que vous devez donner le temps à la blessure de guérir, à la figue d'être fleur et fruit, puis de mûrir. Faites confiance à votre nature et débarrassez-vous de votre désir de faire les choses rapidement. Pour y arriver, Abandonnez les critères d'évaluation que l'on vous a inculqués car ils ne tiennent compte que des succès du moment. Si vous êtes convaincu d'avoir une mission plus importante que ne le suggèrent les événements du jour, vous parviendrez à vous libérer de ces sottises. Prendre les devants dès le début de la partie peut s'avérer un désavantage si vous n'avez pas une vue d'ensemble de toute la partie. Pensez à ce que vous faites sur un horizon de cinq siècles au lieu d'un horizon de cinq minutes agissez en pensant à ceux qui seront là dans cinq cents ans et vous verrez que vous cesserez de vous intéresser aux résultats immédiats pour vous occuper d'affaires beaucoup plus importantes soyez aussi patient envers vous-même que dieu l'a toujours été avec vous quels que soient vos succès et vos déceptions quand vous êtes capable de remettre un problème entre les mains d'une autorité supérieure avec laquelle vous êtes en contact, vous entrez aussitôt dans un état de patience infinie, et vous cessez de chercher de petits indicateurs de succès qui ne valent que pour aujourd'hui. Inspiration. Quand vous êtes inspiré par un but élevé ou par quelque extraordinaire projet, toutes vos pensées brisent leur chaîne, votre esprit transcende ses limites, votre conscience se déploie dans toutes les directions et vous vous retrouvez dans un monde nouveau, absolument merveilleux. Des forces des aptitudes et des talents inexploités se manifestent et vous vous rendez compte que vous êtes beaucoup plus génial que vous ne l'auriez pu l'imaginer. Patanjali Auteur des Yoga Sutras, Patanjali a vécu en Inde probablement de 1 à 3 siècles avant Jésus-Christ. Il est considéré comme l'initiateur de la tradition de la méditation. On le décrit également comme le mathématicien du mysticisme et l'Einstein du bouddhisme. Patanjali, un homme considéré comme un saint par son peuple, écrivit un classique de la littérature hindoue, les Yoga Sutras. Plusieurs personnes considèrent que les écrits et les sutras de ce mystique, qui nous offrent différentes méthodes pour connaître Dieu et atteindre un niveau de conscience élevé, sont le fondement premier pour développer sa spiritualité et se libérer des limites du corps et de l'ego. J'ai choisi cet extrait de Patanjali parce qu'il exprime, selon moi, une vérité universelle, intemporelle. Je vous encourage à vous pencher avec moi sur les paroles de Patanjali, étape par étape, en vous rappelant que des millions de personnes jusqu'à ce jour ont étudié les écrits de ce maître ancien encore considéré aujourd'hui comme un avatar porteur d'une sagesse divine. Il tente, dans ce passage, de nous faire comprendre qu'en étant véritablement inspiré par quelque chose d'extraordinaire, des choses exceptionnelles se produisent dans notre vie et en particulier sur le plan de nos processus de pensée. D'une certaine façon, quand nous sommes absorbés par quelque chose que nous aimons de tout notre cœur, nos pensées prennent une autre tournure et se libèrent de tout ce qui les entrave. Si je me fie à ma propre expérience, je sais que j'ai davantage l'impression d'avoir un but dans la vie. Quand je m'adresse à un auditoire ou quand j'écris une forte impression d'être utilisé à bon escient m'envahit comme si ce n'était pas vraiment ce corps appelé Wayne Dyer qui prononçait cette conférence ou écrivait ce livre audio. Lorsque cela se produit, je remarque que mon esprit ne connaît plus de limites. Je sais que je ne suis pas seul, qu'un guide divin m'accompagne et alors parler ou écrire devient facile. J'ai l'impression dans ces moments d'abandon que mon corps et mon esprit sont en harmonie. Certains parlent de canalisation, d'autres d'une expérience culminante. Selon Patanjali, votre conscience se déploie dans toutes les directions et vous vous retrouvez dans un monde nouveau, absolument merveilleux. Lorsque vous vivez une expérience culminante, un de ces moments de grande inspiration où vous sentez ne faire qu'un avec Dieu et l'univers, la vie vous apparaît comme une aventure merveilleuse. Ce genre de phénomène se produit lorsque vous atteignez un niveau appelé inspirationnel. Votre attention ne se porte plus dès lors sur ce qui va mal ou sur ce qui vous manque, mais sur ce sentiment d'équilibre que procure le fait d'être inspiré et qui vous permet de co-créer avec entrain. En d'autres termes, vous vivez un moment de grande inspiration. Patanjali parle ensuite de ce que je considère comme l'aspect le plus phénoménal de cet état de grâce inspirationnel, des forces, des aptitudes et des talents inexploités se manifeste, nous dit-il. Cela veut dire que plusieurs des choses que nous croyons hors de notre portée se manifestent en nous. J'ai découvert que j'oublie la fatigue, malgré le manque de sommeil, quand je suis vraiment inspiré par un projet qui sort de l'ordinaire. Je me rends compte que je ne ressens plus la faim, que mon corps ne m'impose plus ses demandes incessantes, ce qui me permet de faire aisément mon travail. Ces aptitudes et ces talents dont parle Patanjali sont inexploités dans la mesure où vous ne faites rien pour trouver l'inspiration. Je pense que l'expression forces inexploitées joue ici un rôle déterminant. Quand vous avez la conviction d'avoir un but dans la vie, vous activez des forces dans l'univers qui étaient précédemment hors de votre portée. Ce dont vous avez besoin devient accessible. La bonne personne se présente au bon moment. Vous recevez l'appel que vous attendiez. Même si cela peut sembler paradoxal, vous apprenez à gérer les coïncidences qui surviennent dans votre vie. Et quand vous faites appel à l'esprit, celui qui inspire, cet antique proverbe zen prend alors tout son sens. Quand l'élève est prêt, le maître apparaît. Quand je m'adresse à un auditoire ou quand j'écris un livre en me demandant comment je pourrais me rendre utile tout en laissant de côté mon ego, les mots coincés et bloqués ne me traversent jamais l'esprit. Je suis conscient que les conseils dont j'ai besoin sont là pour moi. Tant que mon ego ne s'en mêle pas, cette force inexploitée dont fait étape Atanjali est activée par le lien qui munit au divin quand mon attention se porte exclusivement sur un projet qui met en cause la mission de mon âme. L'inspiration générée par ce projet agit comme un aimant sur les forces extérieures tant que l'ego n'interfère pas. Puis comme le suggère Patanjali, vous vous rendez compte que vous êtes beaucoup plus génial que vous n'auriez pu l'imaginer. Si vous doutez de votre capacité à transcender vos limites et à activer en vous des forces inexploitées, écoutez à nouveau, avec toute l'ouverture d'esprit dont vous êtes capable, le sage conseil de l'un des plus grands maîtres spirituels que le monde ait connu. Et sachez qu'il y a en vous une personne qui dépasse en envergure tout ce que vous avez pu imaginer. Patanjali nous dit que cette personne se manifeste quand nous sommes inspirés par un projet extraordinaire. Il se peut que vous vous demandiez Mais que faire si j'ignore quel est ce projet Que dois-je faire pour découvrir mon but Gardez à l'esprit que votre tâche ici bas n'est pas de demander comment, mais de dire oui. Ouvrez-vous aux idées présentées dans ce passage de l'antique Yoga Sutra et ayez confiance. Toute question se résoudra d'elle-même. Demandez-vous, quand m'arrive-t-il de me sentir satisfait Quand m'arrive-t-il de me sentir extraordinairement bien, comme si j'étais un personnage important Quelle que soit la réponse à ces questions, vous découvrirez qu'elles parlent toutes de servir vos frères humains, de servir votre planète, l'univers ou Dieu. Lorsque vous aurez pris la décision de vous libérer de l'emprise de votre égo et de chercher l'inspiration en vous impliquant dans la réalisation d'un projet extraordinaire qui ne flatte pas uniquement votre égo, vous saurez quoi faire. Voici quelques suggestions pour mettre en pratique les idées de Patanjali. Prenez en note les activités qui vous inspirent le plus. Faites-le même si elles peuvent vous sembler insignifiantes ou inestimables. Qu'il s'agisse de jouer avec des petits-enfants, de jardiner, de bricoler votre voiture, de chanter ou de méditer, contentez-vous de noter ces activités. Avec cet inventaire en main, voyez ceux qui parviennent à gagner leur vie en faisant ce genre de choses. Peu importe ce que vous aimez faire, il est possible de transformer cet intérêt en un projet emballant qui permettra à votre conscience de se déployer dans toutes les directions. Suscitez de nouvelles forces et de nouveaux talents qui vous rappelleront que vous êtes un personnage beaucoup plus grand que vous ne l'aviez imaginé. N'écoutez que votre voix intérieure, celle qui vous guidera vers cette extraordinaire activité. Ignorez les conseils de ceux qui vous disent ce que vous devriez faire de votre vie. Pour réussir, il faut que l'inspiration vienne de vous et non de l'extérieur. Si c'était le cas, on ne parlerait pas d'inspiration, mais d'expiration. Triomphe. Les six erreurs humaines. 1. L'illusion qu'un gain personnel se fait toujours aux dépens des autres. 2. La tendance à s'inquiéter de choses que nous ne pouvons changer ou corriger. 3. Insister sur le fait qu'une chose est impossible, parce que nous sommes incapables d'en venir à bout. 4. Refuser de laisser de côté des priorités en réalité insignifiantes. 5. Négliger le développement et le raffinement de l'esprit et ne pas acquérir l'habitude de la lecture et de l'étude. 6. Tenter de forcer les autres à croire les mêmes choses et à vivre de la même façon que nous. Marcus Tilius Cicéron Homme d'État romain et homme de lettres, Cicéron était le plus grand orateur des philosophes de Rome. Les dernières années de la Rome républicaine sont généralement appelées période cicéronienne. Cicéron fut à une certaine époque considéré comme le père de son pays. Ce brillant orateur, homme de loi, auteur, poète, critique et philosophe, vécut un siècle avant la naissance du Christ, et fut momentanément impliqué dans les conflits qui opposaient Pompée, César, Brutus, et plusieurs autres personnages légendaires qui marquèrent l'histoire romaine. Il mena une longue et prolifique carrière de politicien et d'écrivain, ses écrits étant d'ailleurs considérés comme les plus influents de son temps. Dans l'un de ses plus mémorables traités, Cicéron présente les six erreurs humaines telles qu'elles lui apparaissaient dans le contexte de la Rome antique. Vingt siècles plus tard, les voici à nouveau accompagnées d'un bref commentaire. Première erreur. L'illusion qu'un gain personnel se fait toujours aux dépens des autres. Voilà un problème qui est malheureusement toujours d'actualité. Bien des gens croient pouvoir se donner de l'importance en prenant les autres en défaut. Un expert en motivation de réputation mondiale était récemment interviewé à la télévision. Voici en gros ce qu'il disait Je vaux plus que les autres car je suis le seul à posséder tous les outils pour réussir. N'écoutez pas ceux qui se contentent de vous encourager ce sont des inférieurs je ne pus m'empêcher de penser à la première erreur évoquée par Cicéron. Il y a deux façons de posséder le plus haut immeuble d'une ville. La première consiste à détruire tous les autres immeubles. Mais euh, cette méthode donne rarement de bons résultats, car les actions de ce genre reviennent toujours hanter leur auteur. La seconde méthode consiste à construire votre propre immeuble, et à le regarder grandir. Il en va de même en politique, en affaires, et dans votre vie personnelle. Deuxième erreur. La tendance à s'inquiéter de choses que nous ne pouvons changer ou corriger. Apparemment, les gens qui vivaient dans les temps anciens gaspillaient eux aussi leur énergie à s'inquiéter de choses sur lesquelles ils n'avaient aucun contrôle, et rien n'a vraiment changé depuis. L'un de mes professeurs m'éclaira un jour sur ce point de manière fort succincte. Il me dit ⁇ Tout d'abord, il est inutile de se préoccuper des choses qui sont hors de ton pouvoir, car si tu n'as aucun pouvoir sur elles, il est vain de s'en préoccuper. Deuxièmement, il est inutile de se préoccuper des choses que tu peux contrôler, car si tu peux les contrôler, pourquoi te donnerait-elle du souci Après cela, à quoi bon se faire encore du souci Soit vous pouvez changer les choses, soit vous ne le pouvez pas. Mais d'une façon ou d'une autre, se faire du souci est toujours une grossière erreur. Troisième erreur. Insister sur le fait qu'une chose est impossible parce que nous sommes incapables d'en venir à bout. Nous sommes nombreux à souffrir de cette forme de pessimisme. Nous sautons trop vite à la conclusion que quelque chose est impossible simplement parce que nous ne voyons pas la solution au problème. Bien des gens m'ont dit que les anges, la réincarnation, les voyages astraux, la communication avec les morts, les voyages intergalactiques, la chirurgie génétique, les machines à remonter le temps, les, les voyages à la vitesse de la lumière, les guérisons miraculeuses et ainsi de suite étaient des impossibilités simplement parce qu'ils ne pouvaient concevoir de telles idées. Je me demande si les contemporains de Cicéron pouvaient imaginer l'invention du téléphone du télécopieur, de l'ordinateur, de l'automobile, de l'avion, du missile, de l'électricité, de la télécommande, de la navette spatiale et de tant d'autres choses que nous tenons aujourd'hui pour acquises. Voici, à mon avis, une excellente devise. Personne n'en sait jamais assez pour être pessimiste. Autrement dit, ce que vous ne pouvez aujourd'hui imaginer sera probablement un fait banal pour ceux qui habiteront cette planète dans deux mille ans. Quatrième erreur. Refuser de laisser de côté des priorités en réalité insignifiantes. Nous sommes nombreux à consacrer la majeure partie de notre temps à des occupations mineures. Nous gaspillons notre précieuse force vitale en nous préoccupant de ce que les autres pensent de nous, de notre apparence ou de la griffe de nos vêtements. Notre vie se passe dans l'angoisse des querelles qui nous opposent à nos parents et à nos collègues de travail, et nos conversations ne sont souvent que bavardages. Notre ego devient la force motrice de notre vie, une vie où l'idée de notre propre importance occupe tout le devant de la scène. Nous voyons des gens qui souffrent de la faim et de la famine un peu partout dans le monde, et pourtant nous perdons patience quand nous devons attendre cinq minutes pour avoir une table au restaurant où la moitié de la nourriture finira vraisemblablement à la poubelle. Nous entendons parler de milliers d'enfants mutilés et assassinés par des terroristes, et pourtant nous acceptons cette situation sous prétexte que nous ne pouvons rien y faire. Et même dans nos propres vies, comme nous croyons souvent être incapables d'influencer le cours des choses, nous nous plongeons dans les petits jeux insignifiants inventés par notre ego. Cinquième erreur négliger le développement et le raffinement de l'esprit et ne pas acquérir l'habitude de la lecture et de l'étude. Arrivés au terme de leur parcours scolaire, Bien des gens considèrent que leur esprit a atteint son plein développement. En effet, nous avons appris à considérer la lecture et l'étude comme un moyen pour obtenir une récompense sous la forme d'un diplôme ou d'un titre. Une fois notre diplôme en poche, le besoin d'étudier et de parfaire notre esprit s'évanouit aussitôt. Cicéron, qui avait remarqué cette même tendance chez ses compatriotes romains, Tenta de les mettre en garde contre ce qui allait s'avérer le prélude à la chute de leur empire. Mais rien n'y fit. Nos vies s'en trouvent grandement enrichies quand nous nous plongeons dans la littérature et la spiritualité, non parce que nous allons devoir passer un examen, mais simplement pour croître sur le plan personnel. Vous découvrirez que la lecture et l'étude vous procureront une expérience plus profonde et plus riche de la vie, et ce, de bien des façons. Ces activités sont d'ailleurs beaucoup plus gratifiantes quand vous les menez par choix plutôt que par obligation. Sixième erreur. Tentez de forcer les autres à croire les mêmes choses et à vivre de la même façon que nous. De toute évidence, nous commettons tous cette sixième erreur. Nous avons souvent le sentiment d'être victimes de ceux qui nous imposent leur point de vue sur ce que nous devrions faire et sur la façon dont nous devrions vivre notre vie. Ce genre d'attitude n'engendre que tension et ressentiment. Personne n'aime se faire dire quoi faire et comment vivre sa vie. Malheureusement, nous avons tous tendance à mettre notre nez dans les affaires des autres, quand nous n'insistons pas carrément pour que leurs croyances et leur mode de vie soient semblables aux nôtres. Il est bon de nous rappeler à l'ordre et de suivre le conseil qui conclut le candide de Voltaire. Il faut cultiver notre jardin. Si vos voisins décident de planter des choux et que vous choisissez de faire pousser du maïs, qu'il en soit ainsi. Si vous croyez commettre à l'occasion l'une des six erreurs évoquées par Cicéron, voici quelques suggestions pour y remédier. Intéressez-vous à votre propre vie et aux façons de l'améliorer. Rendez-vous compte de ce que vous faites quand vous agressez verbalement les gens autour de vous et arrêtez-vous sur le champ. Plus vous serez conscient de votre tendance à détruire les immeubles des autres, Plutôt, vous entreprendrez la construction du vôtre. Quand vous êtes inquiet, demandez-vous ⁇ Puis-je y remédier ?⁇ Si la situation est hors de votre contrôle, n'y pensez plus. Si vous pouvez y remédier, retroussez-vous les manches et perfectionnez votre stratégie. Cette question vous libérera de tous vos soucis. Chaque fois que vous êtes confronté à un problème apparemment insoluble, Rappelez-vous qu'il s'agit simplement d'une solution qui attend d'être trouvée. Si la solution vous échappe, voyez qui pourrait la trouver à votre place. Il y a toujours quelqu'un quelque part qui peut aborder les choses sous l'angle de la possibilité plutôt que sous l'angle de l'impossibilité. En fait, éliminez complètement le mot impossible de votre vocabulaire. Penchez-vous sur ce que vous considérez comme les plus graves problèmes auxquels nous sommes confrontés. Laissez tomber quelques-unes de vos activités complaisantes pour vous attaquer à quelque chose de plus significatif, et rappelez-vous que votre contribution, si modeste soit elle, a un impact sur ces problèmes de société. Prenez tous les jours le temps de lire des livres ou d'écouter des CD traitant de spiritualité, que ce soit dans vos temps libres ou même dans la voiture. Prenez l'habitude d'assister à des séminaires ou à des conférences sur la croissance personnelle ou sur tout autre sujet éclairant. Cultivez votre jardin et libérez-vous de votre tendance à examiner et à juger comment les autres cultivent le leur. Rendez-vous compte de ce que vous faites quand vous vous répandez en commérage sur la façon dont les autres devraient vivre leur vie et débarrassez-vous de ces pensées. Ne dites plus, voici ce qu'ils devraient faire ou, ils n'ont pas le droit de vivre et de penser ainsi. Tenez-vous occupé et impliquez-vous dans vos propres projets de vie et vous ne penserez même plus à forcer les autres à croire les mêmes choses et à mener la même vie que vous. Comme les petits enfants, si vous ne changez pas pour devenir pareil à de petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Jésus de Nazareth, Jésus est l'une des principales figures religieuses mondiales. Il est considéré par les chrétiens comme le Messie prédit par les prophètes de l'Ancien Testament récemment alors que je me préparais à donner une conférence dans une ville éloignée de chez moi, je fis l'étrange expérience de me trouver, sans le savoir, face à un miroir mural. J'étais assis à un bureau devant un mur qui n'était en fait qu'un immense miroir, et chaque fois que je levais les yeux, je voyais ce personnage qui m'observait, tandis que je prenais des notes. Au bout d'un moment, je décidai moi aussi de le dévisager, N'ayant aucunement conscience qu'il s'agissait de mon reflet dans une glace. Je me rappelle avoir pensé Voilà un vieux bonhomme qui me ressemble. Tandis que je l'observais, je pensais à l'être invisible qui vit à l'intérieur de chacun de nous. Cet être n'a ni frontière ni forme, et par conséquent ni commencement ni fin. Je parle de ce témoin invisible qui est sans âge et immuable. De l'éternel enfant à l'intérieur de nous. Nous devons devenir cet enfant intemporel pour entrer dans le royaume des cieux, cette figure de l'éternité où les formes et les frontières, les commencements et les fins, les hauts et les bas, ne veulent plus rien dire. Le paradis n'a ni frontière ni périmètre, ni limite, ni pourtour. Au contraire, il représente ce qui transcende les démarcations. Il est pareil au petit enfant dont parle Jésus avec éloquence. Il est toujours en nous, avec nous. Il ne vieillit pas, et pourtant il veille sur nous jour et nuit. Mais l'homme devant moi avait des paupières tombantes, des rides et des cheveux grisonnants. Il me ressemble vraiment, ce vieux bonhomme. L'enfant intemporel en moi cet observateur éternel et immuable ne connaît ni le jugement ni la haine. Il n'a rien à juger, personne à haïr. Pourquoi Parce qu'il ne voit pas les apparences. Tout ce qu'il sait faire, c'est regarder les choses et les gens avec moi. Il est ce que j'appelle celui qui permet tout. Il accepte les choses comme elles sont et voit le visage de Dieu dans les yeux de tous ceux qu'il rencontre. N'ayant ni forme, ni taille, ni couleur, ni personnalité, cet enfant sans âge ne s'attarde jamais à des détails aussi banals. N'étant prisonnier d'aucune barrière érigée par l'homme, il ne se laisse jamais aller à s'identifier à un groupe ethnique ou à une communauté culturelle. C'est pourquoi il ne peut faire la guerre pour des motifs aussi futiles. Cet enfant intemporel et invisible vit toujours en paix avec les autres, se contentant d'observer, d'être témoin et, plus important encore, de permettre. Un jour que j'étais allé courir de bon matin, je ressentis une telle exaltation en moi qu'en rentrant à l'hôtel, après avoir complété mon parcours, je sautais par-dessus une clôture qui faisait plus d'un mètre de hauteur. Ma femme, qui m'avait vu faire, poussa un cri. Ne fais pas ça, on ne saute pas par-dessus les clôtures quand on a cinquante-six ans. Tu aurais pu te tuer. Ma première réaction fut de répondre. C'est vrai, j'avais oublié. Mon moi intemporel et invisible, cet observateur éternel, avait oublié pendant un instant qu'il vivait dans un corps qui avait déjà plus d'un demi-siècle. Pour moi, ce passage du Nouveau Testament nous parle d'oublier notre corps, nos origines ethniques, notre langue maternelle, notre bagage culturel, la forme de nos yeux ou de quel côté de la frontière nous avons grandi, afin que nous puissions devenir comme les petits enfants qui sont insensibles à de telles compartimentations. Jésus ne nous dit pas de nous comporter de manière infantile, d'être immature, indiscipliné ou mal élevé. Au contraire, il nous parle de l'enfant qui ne juge pas, qui aime et accepte ce qui l'entoure, de l'enfant qui est incapable de mettre des étiquettes sur les gens ou sur les choses. Quand nous sommes capables d'être comme des petits-enfants, nous prenons conscience qu'il y a en chaque adulte un enfant qui aspire désespérément à être reconnu. L'enfant représente en général la plénitude et l'adulte le vide. La plénitude de l'enfant se manifeste dans sa capacité à vivre en paix, à aimer, à ne pas juger et à permettre. A l'inverse, la peur, l'anxiété, les préjugés et l'agressivité témoignent du vide de l'adulte. L'illumination peut être considérée comme un processus au cours duquel nous redécouvrons que le cœur du petit enfant est pur, et qu'il faut être capable d'une acception et d'un amour divin pour entrer dans le royaume des cieux. Ayez pour but dans la vie de ressembler davantage à un enfant dans tout ce que vous faites. La qualité première des génies est d'avoir conservé leur curiosité d'enfant. Les génies et les enfants partagent la même envie d'explorer sans se soucier des possibilités d'échec ou des critiques qu'on pourrait leur adresser. Je crois que le mot-clé dans ce passage des évangiles est ⁇ devenir ⁇ Jésus nous dit de devenir quelque chose qui est perfection, bonté, amour, et surtout éternité. Nous l'avons tous en nous. Et il ne peut ni vieillir ni mourir. Ce témoin doux et silencieux, voilà ce que nous voulons devenir. Ce mystique naïf mais imaginatif, qui est naturellement d'une grande spiritualité, voilà l'enfant que nous voulons devenir. Quand nous y parvenons, nous devenons comme des enfants et laissons derrière nous nos habitudes d'adultes infantiles qui nous empêchaient d'entrer dans le royaume éternel des cieux. Ce royaume vous est d'ores et déjà accessible, ici et maintenant. Tout ce que vous avez à faire, c'est de devenir comme des petits-enfants. Pour ce faire, passez le plus de temps possible à observer les petits-enfants. Ce faisant, rappelez-vous l'enfant en vous qui adorerait jouer avec eux. Le philosophe Héraclite a dit un jour, L'homme est davantage lui-même quand il retrouve le sérieux de l'enfant qui joue. Soyez comme des enfants, joueurs, aimants et curieux si vous désirez entrer dans le royaume des cieux. Quand vous vous prenez trop au sérieux, pensez à cet observateur invisible qui vit en vous et qui connaît vos côtés les plus sombres. Cet observateur est-il sombre lui aussi Vous verrez rapidement que ce témoin ne peut ressembler à ce qu'il observe. Jurez ensuite de devenir semblable à lui. Prenez la décision de ne jamais laisser une vieille personne habiter votre corps. Bien sûr, votre corps prendra de l'âge, mais cet observateur éternel et invisible à qui rien n'échappe sera toujours un petit enfant innocent prêt à entrer dans le royaume des cieux à l'heure prévue. une parcelle de l'essence divine. Pourquoi alors êtes-vous ignorant de cette noble origine Pourquoi ne tenez-vous pas compte d'où vous venez Quand vous mangez, pourquoi ne vous souvenez-vous pas de celui qui mange, de celui que vous nourrissez Ne savez-vous pas que vous donnez à manger au divin Que vous faites de l'exercice pour le divin Dieu vous accompagne partout où vous allez. Épictète Esclave émancipé, Épictète était un philosophe grec représentant de l'école stoïcienne. Bien qu'aucun de ses écrits ne nous soit parvenu, l'essentiel de ses doctrines a été colligé par son disciple, Arien. À l'époque où j'étudiais en psychologie du counseling, Épictète était une grande source d'inspiration pour moi. Son nom était souvent mentionné lorsqu'il était question de l'influence de l'esprit sur nos émotions et sur notre comportement. Encore aujourd'hui, je suis extrêmement impressionné par la sagesse de cet homme, né esclave au cours du siècle qui suivit la crucifixion qui retrouva la liberté en 90 avant d'être expulsé de Rome par un empereur despotique dont il avait dénoncé les méthodes tyranniques. Et quelques années plus tard, je me suis plongé dans les principaux ouvrages de ce stoïcien, j'ai lu les entretiens, rédigés par Arien, et j'ai appris à mieux connaître sa philosophie. L'extrécité contient des idées extrêmement intéressantes sur les plans spirituels et philosophiques. Épictète nous rappelle que nous avons tendance à oublier que nous portons tous en nous une étincelle divine, une partie de Dieu. Cette idée est difficile à saisir, pourtant Épictète insiste pour dire, malgré son passé d'esclave, qu'il s'agit de la simple vérité. Imaginez un instant être parfaitement conscient que vous transportez Dieu avec vous. Si Dieu est partout, alors il n'y a pas un seul endroit d'où Dieu est absent. Et cela vous inclut. Une fois que vous l'avez compris, vous recouvrez le pouvoir de votre propre source. Au lieu de vous voir comme un être coupé du pouvoir miraculeux de Dieu, vous affirmez votre divinité et retrouvez la puissance qui est en Dieu. Quand vous mangez, c'est Dieu que vous ingérez et nourrissez. Quand vous dormez, Dieu s'assoupit et se repose. Quand vous faites de l'exercice, Dieu se déplace avec vous et se renforce en même temps. Cela vous semble peut-être sensé, mais vous êtes probablement comme tant d'entre nous qui ont grandi dans l'ignorance de ce concept. Voici une image plus familière. Dieu, un vieil homme à la barbe blanche, assis sur son trône quelque part dans le ciel, fonctionnant comme une énorme distributrice automatique. Déposez un jeton sous la forme de prière et Dieu vous distribue ce dont vous avez besoin. Mais pas toujours. Voilà un Dieu coupé et distinct de nous-mêmes. Épictète vous suggère de vous débarrasser de ce concept représentant l'univers comme une sorte de monarchie céleste pour accueillir l'idée que vous êtes l'œuvre de Dieu, un fragment de Dieu lui-même. Quand vous savez que vous êtes une manifestation de Dieu, vous êtes en contact avec dieu et vous vous traitez vous-même et les autres comme l'expression de cette volonté divine c'est exactement ce qu'enseignait épictète à rome et en grèce il y a deux mille ans faites confiance à votre nature divine ne remettez jamais en question la noblesse de votre véritable moi et traitez-vous avec le même respect que celui que vous avez pour dieu Il y a un vieux dicton sanscrit qui résume bien la perspective spirituelle d'Épictète. Dieu dort dans le règne minéral, se réveille dans le règne animal et pense en vous. En d'autres termes, il n'y a pas un seul endroit où Dieu n'est pas en train de dormir, de s'éveiller ou de se promener. Dieu est la source universelle de toute vie, une présence plutôt qu'une personne, et cette présence pense en vous. Prenez conscience que Dieu est en vous, avec vous, devant vous, et partout autour de vous. Acceptez le fait que vous pouvez sentir sa présence partout où vous allez, et qu'il est également présent dans la façon dont vous recevez les événements du jour. Pour mettre en pratique ces deux observations millénaires, mais toujours d'actualité, Rappelez-vous quotidiennement que vous êtes une création divine et que vous avez le droit d'être traité avec amour par les autres et par vous-même. En vous concevant comme un être en contact avec Dieu, vous aurez beaucoup plus de respect envers vous-même. Pratiquez des rituels pour proclamer la présence de Dieu en vous et dans tout ce que vous faites. Bénissez votre nourriture et remerciez en Dieu, et ce faisant, Rappelez-vous qu'en prenant ce repas, vous nourrissez le divin en vous. De même, durant vos activités physiques, visualisez l'énergie de Dieu circulant dans chacune de vos cellules. Rendez grâce pour tout ce que vous recevez, y compris la pluie, l'air, le soleil et les orages, quelle que soit la façon dont ils se manifestent. La gratitude est une façon de reconnaître la présence de Dieu en toutes choses. Avant l'illumination, couper du bois, porter de l'eau. Après l'illumination, couper du bois, porter de l'eau. Proverbe Zen. Fondé en Chine au cours du VIe siècle et largement répandu au Japon dès le XIIe siècle, le bouddhisme Zen prêche l'atteinte de l'illumination par les moyens les plus simples possibles. Ayant étudié le phénomène des états supérieurs de conscience et ce qu'on appelle généralement l'illumination, ce proverbe zen a toujours été pour moi une grande source de bonheur. Quand nous réfléchissons à ce phénomène difficile à définir appelé illumination, nous faisons généralement allusion à un état de conscience que nous atteindrons un jour, en adoptant de bonnes pratiques spirituelles et en travaillant assidûment à son avènement. Notre espérance est qu'une fois parfaitement éclairée, tous nos problèmes disparaîtront et céderont la place à une vie de pur bonheur. Mais le message du célèbre proverbe est que l'illumination n'est pas quelque chose que l'on atteint, mais quelque chose dont on prend conscience. Une fois que vous en avez pris conscience, rien n'est plus pareil, et pourtant, rien n'a vraiment changé. C'est un peu comme si vous aviez vécu toute votre vie les yeux fermés, et que soudain vous les ouvriez. À présent, vous voyez, mais le monde n'a pas changé. Vous posez simplement un regard neuf sur ce qui vous entoure. Ce proverbe où il est question de couper du bois et de porter de l'eau, me dit que l'illumination n'exige pas que l'on prenne la position du lotus quelque part dans une caverne au sommet de l'Himalaya. Ce n'est pas quelque chose que l'on trouve auprès d'un gourou dans un livre ou en suivant un cours. L'illumination est une attitude envers tout ce que nous faisons. Pour moi, l'illumination évoque une idée fondamentale, celle d'être immergé dans un sentiment de paix à chaque instant de ma vie. Si je suis anxieux, stressé, craintif ou tendu, je ne suis pas à la hauteur de mon potentiel d'illumination. Je crois que le fait de prendre conscience de ces moments d'angoisse est l'une des façons de vivre l'illumination. La différence entre une personne éclairée et un ignorant est que la première est consciente de son ignorance alors que la seconde ignore qu'elle est ignorante. Le sentiment de paix intérieure et d'illumination qui m'habite s'est approfondi au cours des dernières années, et pourtant je continue à couper du bois et à porter de l'eau comme je le faisais lorsque j'étais adolescent. Je travaille tous les jours pour mettre du pain sur la table, même si je ne fais plus le même genre de travail. En général, l'illumination ne change pas le monde extérieur, mais modifie votre façon de l'appréhender. Par exemple, dans mon rôle de père, je ne considère plus mes enfants comme étant ma propriété, alors qu'auparavant, leur comportement influençait énormément ma vie émotive. Je sais aujourd'hui que les crises de mon adolescente de dix-huit ans sont une façon pour elle d'attirer mon attention. Je ne me sens plus obligé de me joindre à ces explosions d'émotions juvéniles. Je constate également les succès que connaissent mes enfants depuis que j'ai adopté une attitude plus détachée à leur égard. Ce détachement n'est pas de l'indifférence, mais la certitude que je peux choisir de vivre en paix à tout moment, même si les activités, les problèmes et les événements qui ponctuent ma vie demeurent les mêmes. Tant que j'aurai un corps physique, je devrais couper du bois et porter de l'eau. Mais la façon dont je conçois ces activités voilà ce qui constitue l'illumination. J'aime beaucoup cette exclamation tirée du livre ⁇ A curse in miracles ⁇ je peux choisir la sérénité au lieu de ça. Pour moi, cette affirmation résume tout ce que j'entends par illumination être capable d'opter pour la sérénité tout en portant de l'eau, en coupant du bois, en livrant des marchandises, en plantant des clous ou en se livrant à toute autre activité imaginable. L'illumination n'est pas quelque chose qui vous libère, mais qui vous permet de devenir cette liberté. Ce proverbe zen, qui se transmet depuis des milliers d'années parmi ceux qui recherchent l'illumination, est un merveilleux cadeau. Que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de vous, vous n'aurez jamais plus à changer les choses que vous voyez, mais seulement le regard que vous posez sur elles. Voilà ce que j'appelle être éclairé. Pour mettre en pratique dans votre vie cette sagesse zen, voici quelques stratégies fort simples que tout le monde peut adopter. Prenez conscience de votre ignorance. Celle-ci se manifeste tous les jours, chaque fois que vous permettez qu'on trouble votre sérénité. Voyez qui sont ceux que vous tenez responsables de vos moments de désespoir, à quelle occasion vous vous emportez, et s'il vous arrive souvent de tomber dans ce piège. Reconnaître votre ignorance est la meilleure façon de renverser cette situation, et rappelez-vous que les ignorants ne savent pas qu'ils ne savent pas. Prenez en conscience. Débarrassez-vous de votre tendance à voir l'illumination comme quelque chose que vous réaliserez dans un avenir plus ou moins éloigné, quand les circonstances qui entourent votre vie auront changé pour le mieux. Vous aurez toujours du bois à couper et de l'eau à porter, mais vous pourrez choisir la façon dont vous envisagez ces activités entraînez-vous à apporter des modifications spécifiques à la façon dont vous approchez les choses qui troublent votre sérénité. Par exemple, si le fait d'être coincé dans un embouteillage ou une file d'attente vous met hors de vous, profitez de ces circonstances inhérentes à la vie moderne pour refondre votre monde intérieur. Créez un espace à l'intérieur de vous afin que l'illumination puisse surgir dans les moments où vous êtes tenté d'opter pour l'angoisse. Et finalement, n'allez pas crier sur les toits que vous êtes illuminé. La personne qui affirme être illuminé ne l'est certainement pas. Seigneur, fais de moi un instrument de paix. Là où est la haine, que je mette l'amour. Là où est l'offense, que je mette le pardon. Là où est la discorde, que je mette l'union. Là où est l'erreur, que je mette la vérité. Là où est le doute, que je mette la foi. Là où est le désespoir, que je mette l'espérance. Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. Là où est la tristesse, que je mette la joie. Ô oh Seigneur, que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler, à être compris qu'à comprendre, à être aimé qu'à aimer. Car c'est en donnant que l'on reçoit. C'est en oubliant que l'on se retrouve soi-même. C'est en pardonnant que l'on obtient le pardon. C'est en mourant que l'on ressuscite à la vie éternelle. Saint François d'Assise, fondateur italien de l'ordre des franciscains, Saint François favorisait une approche de la religion fondée sur la joie et l'amour de la nature, où tous les êtres vivants sont nos frères et sœurs. Cette prière est l'une des plus célèbres et des plus durables qui nous soit parvenue. Elle exprime le profond désir de tous les êtres humains d'incarner pleinement cet être spirituel qui habite notre corps matériel. Dans ce texte, saint François décrit ce qui constitue l'essentiel de notre moi supérieur. J'aime beaucoup réciter cette prière. Je suis convaincu qu'en la récitant, nous entrons directement en contact avec Saint François, l'un des êtres les plus divinement spirituels à avoir vécu parmi nous. La même force divine et invisible qui a circulé à travers cet homme au XIIe et XIIIe siècle, circule également à travers vous et moi. Si vous sentez que vous avez des affinités avec ce saint homme, je vous suggère de lire ses biographies et de regarder le film intitulé Frère Soleil. Sa vie a été une telle inspiration pour moi que j'ai visité Assise afin de pouvoir marcher dans les mêmes forêts que lui et prier dans la chapelle où il a réalisé de nombreux miracles dont on a pu établir l'authenticité. Cette prière, qui a survécu jusqu'à nos jours, parle du sens même de la prière. Pour bien des gens, Prier est une façon d'implorer Dieu afin qu'il nous accorde une faveur particulière, mais Sainte Thérèse d'Avila parle de la prière de façon bien différente. Elle nous dit ⁇ Ne de demandez qu'une seule chose dans vos prières, soit de conformer votre volonté à la volonté divine. ⁇ C'est exactement ce dont il est question dans la prière de Saint François. Au lieu de rechercher les faveurs d'un être qui nous serait extérieur, cette prière exprime au contraire le souhait de devenir un véhicule pour les désirs de Dieu. Pour la plupart d'entre nous, il s'agit d'un changement radical mais aussi d'un premier pas vers l'illumination spirituelle. Demandez qu'on nous accorde la force de mettre l'amour là où est la haine, l'espérance là où est le désespoir et la lumière là où sont les ténèbres. C'est demander d'être libéré de la mesquinerie et des préjugés dont nous sommes prisonniers, c'est demander d'être l'expression du puissant amour que nous attribuons au créateur et qui fait intrinsèquement partie de nous quand nous savons que nous ne sommes jamais seuls, nous formulons nos prières différemment afin de les adresser à ceux avec quoi nous sommes déjà en contact. l'aspect le plus élevé et sacré de notre propre être. Si Dieu est partout, il n'y a alors pas un seul endroit d'où il est absent, y compris en nous-mêmes. Armés de cette révélation, nous pouvons prier Dieu afin qu'il nous accorde la force morale dont nous avons besoin. Au lieu de demander d'être protégés du danger, nous demandons d'avoir la force d'être sans peur. Au lieu de demander le soulagement de nos souffrances, nous cherchons à acquérir la capacité de les transcender et de les vaincre. Nous cessons de présupposer que nous savons ce dont nous avons besoin et ce qui pourrait nous aider. La prière de Saint François est une façon de s'exercer à mettre en pratique dans notre vie quotidienne le réconfort, la compréhension, le pardon et l'action. Nous en sommes tous capables, et il nous arrive d'ailleurs régulièrement de le démontrer. Néanmoins, la plupart du temps, nous demandons aux autres, y compris à cet être que nous croyons distinct de nous-mêmes, appelé Dieu, de nous consoler, de nous comprendre, de nous pardonner et de nous fournir ce dont nous avons besoin. En récitant cette petite prière, nous nous engageons sur la voie d'une véritable croissance spirituelle. Nous laissons notre ego derrière nous en acceptant que cette partie sacrée de nous-mêmes soit une force dominante dans notre vie. J'ai toujours aimé cette histoire du Maître qui dit à un jeune avatar particulièrement avancé sur le plan spirituel Je te donnerai une orange si tu es capable de me dire où se trouve Dieu. Le jeune homme répondit je vous donnerai deux oranges si vous êtes capable de me dire où Dieu n'est pas. La morale de cette histoire ⁇ Dieu est partout. Lorsque vous priez Dieu, vous priez une présence puissante et éternelle qui est une partie de vous-même. Communiez avec cette présence en chassant toute idée de séparation entre elle et vous, puis mettez en pratique les divines paroles de Saint François le plus souvent possible en intégrant les idées suivantes. Prenez l'habitude de réciter cette prière tous les jours. Le simple fait de prononcer ces paroles vous aidera à agir conformément à l'esprit de cette prière au cours de la journée. Si quelqu'un vous offense, qu'il s'agisse d'un membre de votre famille ou d'un inconnu, avant de répliquer, demandez-vous. Ce que je suis sur le point de dire est-il motivé par mon besoin d'avoir raison ou mon désir d'être aimable, choisissez la réponse motivée par votre désir d'être aimable, même si votre ego s'y objecte de quelque façon. Exercez-vous à mettre l'amour là où règne la haine, en particulier quand vous lisez les journaux ou quand vous regardez le journal télévisé en semant l'amour, même si cela peut sembler difficile. Vous contribuez à éradiquer la haine de notre monde. Vous devrez faire preuve d'une grande vigilance pour surmonter le conditionnement culturel qui vous a appris que nous devons rendre œil pour œil, dent pour dent. Regardez dans votre cœur et dressez la liste de tous ceux qui vous ont blessé d'une façon ou d'une autre au cours des ans. Semez le pardon là où est la douleur. Le pardon est à la base même de l'éveil spirituel et c'est ce dont parle Saint François d'Assise dans sa divine prière. Travail. Quand vous travaillez, vous êtes une flûte qui transforme le murmure des heures en musique. Aimer la vie par le biais du travail, c'est approfondir le secret au cœur même de la vie. Tout travail est vain s'il n'est un travail d'amour, car travailler, c'est rendre l'amour visible. Khalil Gibran, mystique, poète, dramaturge et artiste libanais, Khalil Gibran immigra aux États-Unis en 1910. Si on me pressait de dire quel pourcentage de ma personne est visible et quel autre est invisible, je l'évaluerai de cette façon. 1% visible, 99% invisible. C'est la conclusion à laquelle j'en suis venu en me basant sur cette observation biblique. Telles sont vos pensées, telles vous serez. Nos pensées, la partie invisible de notre humanité, déterminent tous nos traits physiques, la part visible qui constitue l'essentiel de notre existence terrestre. Mais il y a aussi le domaine invisible, cette partie de nous-mêmes tout aussi réelle que nous appelons notre âme, ou notre moi éternel, qui résiste à tous les changements et qui ose défier la mort. Prenez quelques instants pour penser à vous-même en ces termes. Rappelez-vous que vous êtes 1% matière et 99% esprit. À présent, en gardant cette image en tête, rappelez-vous que notre travail ne représente qu'une fraction de ce 1%. En fait, nous investissons probablement moins du quart de ce 1% dans ces activités physiques que nous appelons travail. Malgré tout, les pensées que nous consacrons à ces activités représentent une large part de notre humanité. Nos pensées, dérivées des 99% restants, sont toujours avec nous. Le fait de gaspiller notre énergie vitale à travailler, à immerger notre âme dans les déplaisirs, la colère et la frustration suscitées par le monde matériel où nous vivons, démontrent que nous n'accordons pas la priorité aux choses les plus importantes. Si nous sommes à 99% invisibles, alors cela signifie que l'amour doit être notre règle suprême. Les pensées que vous consacrez à votre travail représentent 99% de ce que vous êtes vraiment. Quand vous détestez votre travail, 99% de votre essence humaine est consacrée à 1% de votre humanité. Ces pensées prennent naissance en vous, où résident vos sentiments de paix intérieure. Khalil Gibran parle du secret au cœur même de la vie. Si vous n'aimez pas ce que vous faites et ne faites pas ce que vous aimez, vous avez choisi la cacophonie plutôt que la musique. Rien ne peut excuser le fait de ne pas aimer ce que vous faites et de ne pas faire ce que vous aimez. Deux choix s'offrent à vous. Changer d'activité pour vous engager dans quelque chose qui vous plaît ou changer votre façon de penser afin qu'elle reflète votre désir de voir l'amour devenir une force dominante dans votre vie. Quand vous êtes venu au monde, votre futur travail est né avec vous. Vous avez été conçu pour accomplir une tâche particulière et le désir de vous y adonner a été placé dans votre cœur au moment où vous êtes apparu parmi nous. Si vous ne parvenez pas à sentir le lien qui vous unit à ce travail parce que vous avez opté pour quelque chose qui ne vous plaît pas vraiment, vous auriez intérêt à suivre la vie du grand poète libanais Khalil Gibran. Nous pouvons tous évoquer des raisons pratiques et rationnelles, l'exemple l'argent pour justifier le fait que nous ne soyons pas en mesure de faire ce que nous aimons, mais le message du poète ne pourra jamais être réduit au silence. Tout travail est vain s'il n'est un travail d'amour. Si vous souhaitez vous sentir à votre travail comme une flûte qui transforme le murmure des heures en musique, je vous invite à faire d'abord et avant tout ce que vous aimez, ce que votre âme vous incite à faire, puis de voir si l'argent est au rendez-vous. Dans les écritures saintes hindoues, la Bhagavad Gita, Krishna dit à son disciple ⁇ Alors que les imprudents travaillent pour obtenir les fruits de leurs actions, les sages m'offrent le résultat des leurs. ⁇ Krishna nous enseigne qu'en matière de travail, nous devons faire ce qui nous plaît, ce que nous aimons, et laissez l'univers s'occuper des détails. Sachez que faire ce que vous aimez et aimer ce que vous faites est de loin supérieur au fait d'aimer le produit de votre travail et les compensations que vous recevez en échange de celui-ci. Relisez le conseil de Gibran et contemplez la joie et l'enjouement qu'il nous offre. Vous êtes une flûte et votre travail rend visible votre amour. En fait, plus vous estomperez la ligne de démarcation entre votre travail et vos loisirs, plus vous suivrez fidèlement le conseil du poète. Le travail, c'est de l'amour rendu visible. Je n'ai rien de mieux à vous conseiller. Faites ce que vous aimez, aimez ce que vous faites. Vous pouvez faire ce choix aujourd'hui même. Pour y arriver, essayez de mettre en pratique les suggestions suivantes. Prenez la décision de ne plus scruter à la loupe ce qui vous irrite dans votre travail quotidien. Soyez reconnaissant d'avoir la chance de pouvoir travailler. Envoyez un message d'amour à tous ceux que vous rencontrez et prenez la décision d'être joyeux sans vous soucier de la réaction des autres. Prenez le risque d'apporter des changements majeurs à votre vie, quel que soit votre âge ou votre ancienneté. Déterminez ce que vous aimez faire par dessus tout, que ce soit danser, jardiner, écrire ou faire des mots croisés puis élaborer un plan pour que cette activité devienne votre travail et votre loisir à la fois pendant une semaine ou deux. Avant longtemps, vous aurez surmonté le conditionnement culturel qui vous a fait croire qu'un travail c'est avant tout quelque chose que vous devez faire, une activité laborieuse et ennuyante qui vous permet de payer vos factures. Faites vôtre cette leçon écrite pour vous par Khalil Gibran. Travailler, c'est rendre l'amour visible. Travailler est souvent perçu comme une suite de corvées quotidiennes. Ayez des pensées d'amour quand vous vous attaquez à ces soi-disant corvées. Prenez conscience de votre esprit, de votre vie, de votre âme, des 99% de votre être qui sont invisibles, tandis que vous balayez, faites les lits, courez les magasins, soulevez votre crayon, etc. Le fait de porter attention avec amour à tous les petits gestes que vous posez est une façon belle et pratique d'aimer votre vie par le biais de votre travail. Équilibre. Éloignez-vous de temps en temps. Détendez-vous un peu, et votre jugement sera plus sûr quand vous retournerez à votre travail, car un travail ininterrompu finira par altérer votre jugement. Prenez suffisamment de recul, et votre travail vous apparaîtra plus petit, et vous pourrez plus facilement l'embrasser d'un seul regard et voir si l'harmonie ou les proportions de l'ensemble laissent à désirer. LÉONARD DE VINCI Peintre, sculpteur, architecte, musicien, ingénieur, mathématicien et scientifique italien, Léonard de Vinci fut l'un des plus brillants esprits de l'histoire de l'humanité. Quand un homme de la stature de Léonard de Vinci nous donne un conseil, je suis pour ma part tout oui. Considéré par de nombreux historiens comme l'esprit le plus curieux de tous les temps, ses réalisations sont tout bonnement prodigieuses. On lui attribue également le mérite d'avoir été l'instigateur de la Renaissance, période historique qui marque la fin du Moyen-Âge. Léonard voyait des mystères partout et allait jusqu'au fond des choses pour les résoudre. Il étudia la terre et les cieux, nota le mouvement des astres et dessina les plans d'une machine volante quatre cents ans avant l'invention du premier avion. Architecte et artiste chevronné, Léonard se plongea également dans l'étude de la nature et de la personnalité humaine. Ses portraits témoignent d'une maîtrise demeurée inégalée et d'un réalisme où est capturé l'essence même de ses sujets. Des volumes entiers sont consacrés à l'étude de la magnifique fresque intitulée La dernière scène. Aucun sujet n'échappa à la curiosité de Léonard, et dans la citation présentée ci-dessus, il vous offre un outil pour développer votre propre créativité. Quand nous nous arrêtons à l'extraordinaire quantité d'œuvres artistiques produites par Léonard de Vinci au cours de sa vie, il nous vient aussitôt à l'esprit l'image d'un bourreau de travail, d'une personnalité de type A qui passe tous ses temps libres à peindre, à sculpter et à inventer. Pourtant, il nous conseille quelque chose de diamétralement opposé et que je partage entièrement. Cet homme aux talents multiples nous conseille de nous évader loin de la routine quotidienne et de prendre du recul afin de gagner en efficacité et en productivité. Il me semble que les gens extrêmement productifs ont le sens de l'équilibre et de l'harmonie. Ils ont le sens de la mesure et savent quand prendre du recul et chasser leurs soucis du moment de leur esprit. Le mot-clé est équilibre. Pour éviter d'être dévoré par quoi que ce soit, vous devez être capable de vous en éloigner de temps à autre. Votre travail, votre famille ou votre projet vous apparaîtront dès lors plus petits, comme le suggère Léonard. S'éloigner d'un point fixe nous donne en effet l'impression que celui-ci est plus petit. Mais, en étant plus éloigné, vous pouvez également l'embrasser plus facilement du regard, et en détecter aussitôt les faiblesses et les défauts. Même si Léonard parlait en tant qu'artiste, son conseil est encore valable aujourd'hui, quelle que soit la nature de votre travail. J'ai découvert que je pouvais mettre en pratique le conseil de Léonard dans mon travail d'écrivain et de conférencier, ainsi que dans plusieurs autres projets. Quand je délaisse momentanément mes recherches et le bloc-notes jaune sur lequel j'écris, que ce soit pour courir sur une longue distance ou simplement pour aller à l'extérieur durant quelques jours, comme par magie, tout semble plus clair à mon retour. Je suis toujours stupéfait des idées qui me viennent après avoir laissé de côté mon travail pendant quelque temps. On dirait qu'elles se manifestent dans les moments où je me préoccupe le moins du résultat de mes recherches. Ce grand maître aux multiples talents nous dit de prendre du recul, de nous détendre, de ne pas nous acharner, de cesser la lutte et de laisser notre divin conseiller nous aider. Il dit Détendez-vous un peu et votre jugement sera plus sûr quand vous retournerez à votre travail. Quand vous décidez de prendre du recul afin de créer un espace où vous détendre, vous invitez le divin à prendre part à votre activité. Ironiquement, moins vous faites pression sur vous pour exécuter ou compléter une tâche, plus vous semblez à même d'y parvenir. Quand vous êtes détaché du résultat que vous recherchez, vous permettez au résultat de prendre lui-même les choses en main. Léonard de Vinci nous encourage à mener une vie plus équilibrée, quelles que soient les activités auxquelles nous nous adonnons. Impliquez-vous dans vos activités, mais essayez de les apprécier pour ce qu'elles sont plutôt que pour ce qu'elles vous apporteront finalement. De plus, n'hésitez pas à délaisser une activité quand vous sentez que votre jugement n'est plus aussi sûr. Ce faisant, vous obtiendrez une meilleure vue d'ensemble et, paradoxalement, vous stimulerez votre pouvoir créateur. Entraînez-vous à vous détacher du résultat de votre travail et de vos projets. Vivez le moment présent en appréciant vos activités pour le plaisir qu'elles vous procurent présentement plutôt que pour leurs conséquences. Délaissez votre travail de temps en temps pour ne rien faire. Pas de contrainte de temps, pas de date limite, pas de réveil matin, en fait, pas d'horloge du tout. Contentez-vous de vivre et remarquez le sentiment de liberté qui vous envahit. Prendre du recul en vous libérant de toute contrainte vous permettra de reprendre le collier avec plus de vitalité et un jugement plus sûr. Faites ce que je fais chaque fois que je me sens coincé. Je remets simplement tous mes tracas entre les mains de Dieu en lui disant, je ne sais plus quoi faire et je n'arrive pas à trouver de réponse. Je vous demande donc de m'aider à résoudre ce problème. Simpliste Peut-être, mais cela semble toujours fonctionner. Mon esprit s'éclaircit et les réponses apparaissent chaque fois que je demande l'aide de Dieu. Rappelez-vous que l'un des hommes les plus productifs de l'histoire, un homme qui a excellé dans tous les secteurs de l'activité humaine, vous offre le conseil suivant. Éloignez-vous de temps en temps, détendez-vous un peu. S'il y a un conseil dont vous devriez tenir compte, c'est bien celui de cet homme aux multiples talents. Leadership. Les vrais chefs sont à peine connus de leurs partisans. Viennent ensuite les chefs que les gens connaissent et admirent. Viennent ensuite ceux dont ils ont peur. Et finalement, ceux qu'ils méprisent. Ne pas faire confiance, ce n'est pas inspirer confiance. Lorsque le travail a été bien fait, sans tracasserie ni fanfaronnade, les gens ordinaires disent Oh, nous y sommes arrivés. Lao Tzu Philosophe chinois, auteur du Tao Te King ou La Voix, ouvrage à la base de la pratique du Taoïsme. Je suis souvent étonné du nombre de politiciens qui s'attribuent aujourd'hui le titre de chef simplement parce qu'ils s'occupent d'affaires publiques. D'un point de vue historique, il est clair que nos dirigeants politiques sont rarement les véritables responsables des changements qui affectent nos sociétés. Par exemple, qui ont été les instigateurs de la Renaissance Les détenteurs du pouvoir politique de l'époque Les maires, les gouverneurs et les présidents des capitales européennes Bien sûr que non. La Renaissance fut le fait d'artistes, d'écrivains et de musiciens qui étaient à l'écoute de leur cœur et de leur âme, et qui amenèrent leurs concitoyens à découvrir cette voix qui retentissait à l'intérieur d'eux. Finalement, le monde entier prêta l'oreille et s'ouvrit à cette nouvelle sensibilité qui fut responsable du triomphe de la dignité humaine sur la tyrannie. Les véritables meneurs d'hommes sont rarement des fonctionnaires affublés d'un titre. Considérez les titres que vous portez et voyez dans quelle mesure vous cherchez à vous y conformer. Vous portez peut-être le titre de mère ou de père, un titre qui vient avec d'énormes responsabilités. Quand les enfants vous demandent conseil parce qu'ils vous considèrent comme le chef de famille, Gardez à l'esprit que votre vœu le plus cher est qu'il puisse dire un jour ⁇ Je l'ai fait par moi-même ⁇ au lieu de vous accorder tout le mérite. Cherchez à améliorer vos qualités de chef de famille en vous défiant constamment de l'erreur qui consiste à penser que votre titre fait de vous un chef. Les vrais chefs n'ont que faire des titres. Mais l'ego les adore. Pour aider les autres à développer leur qualité de meneur tout en exerçant un véritable leadership, il faut faire l'effort de se libérer de l'influence de son propre égo. Les vrais chefs se méritent la confiance des autres, ce qui est fort différent du fait de jouir de la flatterie, des avantages et du pouvoir qui sont, pour l'égo, les véritables attributs d'un chef. Vous devez faire confiance aux gens si vous voulez qu'ils aient confiance en vous. Notez les occasions où vous insistez pour que l'on fasse les choses à votre façon ou pas du tout. Lao Tzu nous dit que cette attitude est la moins efficace et la plus méprisée. Il se peut également que votre façon de diriger inspire la peur si vous utilisez des phrases du genre je vous punirai si vous ne le faites pas à ma façon. Lao Tzu nous dit que les chefs qui jouent sur la peur sont peu qualifiés pour être d'authentiques meneurs d'hommes. Un chef qui aspire à être admiré ne maîtrise pas davantage, toujours selon Lao Tzu, l'art de diriger. On l'entend souvent dire Je vous récompenserai si vous faites ce que je vous demande. Mais le vrai chef agit de façon à passer quasiment inaperçu. Ce chef fait confiance aux autres les encourage et les félicite lorsqu'ils trouvent leur propre voie pour être un authentique chef dans votre propre vie et dans la vie des autres exercez-vous à résister à la tentation d'être reconnu comme tel dirigez avec discrétion faites confiance aux autres dès que vous en avez l'occasion moquez-vous gentiment du désir de votre ego de s'attribuer tout le mérite et reconnaissez en silence votre rôle de chef quand vous entendez les autres dire Ah oui, nous y sommes arrivés. Voici quelques suggestions pour mettre en pratique les sages conseils de Lao Tzu. Avant d'agir, arrêtez-vous et demandez-vous si ce que vous êtes sur le point de dire va générer de la peur, de la haine, de l'admiration ou une conscience de soi. Choisissez de cultiver la conscience de soi. Conformez-vous à votre désir d'être un vrai chef en étant le plus efficace possible sans vous faire remarquer. Surprenez quelqu'un en train de faire quelque chose de bien. Prenez conscience que c'est votre égo qui vous qualifie de raté. Au lieu de vous considérer comme un raté quand on ne vous attribue pas le mérite qui vous revient, rappelez-vous que vous avez réussi en tant que chef et faites comprendre à votre égo, mais avec bonhomie, que c'est la bonne façon de diriger. Espoir. Pour la plupart d'entre nous, le danger n'est pas de viser trop et de rater la cible. Mais de viser trop bas et de l'atteindre. Michel-Ange Peintre, sculpteur, architecte et poète italien, Michel-Ange Buonarroti, artisan de la Renaissance italienne, est une figure remarquable de l'histoire des arts visuels. Au cours des vingt-cinq dernières années, j'ai régulièrement participé à des émissions de radio et de télévision qui m'ont permis de converser avec des auditeurs qui téléphonaient et se joignaient à la discussion. Les animateurs de ces émissions m'ont souvent reproché d'offrir beaucoup trop d'espoir aux gens confrontés à des situations désespérées, car selon eux, cela pouvait s'avérer dangereux. Même si leurs critiques sont bienveillantes, je n'arrive pas à comprendre pourquoi le fait d'avoir trop d'espoir pourrait être dangereux. Quand les gens me font part d'un diagnostic médical qui exclut tout espoir de guérison, je les encourage à envisager une conclusion complètement différente. Je parle souvent de la loi qui a rendu possible tous les miracles qui se sont produits depuis le début des temps. J'explique que cette loi n'a jamais été abrogée et qu'elle est toujours en vigueur. Je cite le cas de personnes qui n'avaient plus que six mois à vivre et qui ont surmonté leur maladie et leur diagnostic. Je reçois tous les jours des lettres de gens qui ont refusé de viser trop bas et d'endosser les espoirs mitigés de leur entourage et qui me disent à quel point ils sont reconnaissants d'avoir reçu un message d'espoir dans un moment difficile. Je crois que cette célèbre citation de Michel-Ange, qui mourut à quelques jours de son 99e anniversaire et qui continua à sculpter, à peindre, à écrire et à décorer malgré son grand âge, à une époque où l'espérance de vie se situait autour de 30 ans, parle précisément de l'importance d'avoir des visées et des buts élevés. Le danger n'est pas d'entretenir de faux espoirs, mais plutôt une absence ou un manque d'espoir qui nous fait réviser à la baisse nos espérances avant même que nous puissions nous en occuper et les réaliser. Nous sommes tous concernés par cela, et pas seulement les gens qui veulent surmonter la maladie physique. Le monde est rempli de gens qui ont visé trop bas et ont entretenu des pensées sans envergure et qui tentent à présent d'imposer cette façon de penser à tous ceux qui sont prêts à les écouter. Le véritable danger est d'abandonner la partie ou d'adopter pour nous-mêmes des critères de succès médiocres ne laissant aucune place à l'espoir. Écoutez attentivement ce que Michel-Ange essaie de vous dire, cet homme que plusieurs considèrent comme le plus grand artiste de tous les temps. Je me rappelle avoir vu le David de Michel-Ange à Florence et être demeuré cloué sur place. La taille, la majesté, l'énergie qui semblait bondir hors du marbre, c'était Michel-Ange qui me disait ⁇ Viser plus haut !⁇ Quand on lui demanda comment il avait pu créer un tel chef-d'œuvre, il répondit que ce David était déjà présent dans le marbre et qu'il avait simplement ciselé jusqu'à l'en libérer. Viser haut, en effet. Et parlant de hauteur, allez un jour visiter la chapelle Sixtine où Michel-Ange passa quatre années, couché sur le dos, à peindre le plafond entre 1508 et 1512. C'était un projet que les artistes moins doués considéraient impossible. Et pourtant, Michel-Ange y parvint et réalisa au cours de sa vie beaucoup d'autres chefs-d'œuvre pleins d'énergie et de talent, et témoignant, bien sûr, de ses hautes visées. Pratiquement toutes les œuvres de Michel-Ange expriment l'idée que l'amour aide les êtres humains à surmonter leurs conflits pour accéder au divin. Cette vérité est à l'œuvre dans les trois cents sonnets qu'il écrivit et visible dans la façon dont il a représenté divers thèmes spirituels dans ses toiles, ses sculptures et ses plans architecturaux. Fils d'un modeste banquier italien, cet homme qui a su entretenir des espoirs ambitieux de grands rêves et des attentes élevées, s'est démarqué comme l'un des chefs de file les plus respectés de la Renaissance et même de l'histoire humaine. Il y a de cela quelques années, un jour que je traversais un village de Bali en compagnie de ma femme, les habitants nous apprirent que le travail d'un homme assis à l'entrée du village était de fabriquer des nuages. J'écoutais attentivement les villageois nous expliquer que cet homme pouvait, grâce au pouvoir de son esprit, fabriquer des nuages qui leur apportaient la pluie dont ils avaient besoin durant les périodes de sécheresse. Néanmoins, je demeurais sceptique, car mon propre conditionnement tribal me disait que la formation des nuages était hors de portée de la conscience humaine. Mais aujourd'hui, je sais une chose par rapport à ce conditionnement. Personne n'en sait assez pour être pessimiste. Il m'est arrivé de m'étendre sur le gazon avec mes propres enfants et de fabriquer des nuages avec eux, et même si nos voisins se moquent de ces fous de dailleurs qui pensent pouvoir fabriquer des nuages, je finis toujours par ignorer leur pessimisme. Dès que j'entends l'un des enfants s'écrier Regarde, papa, mon nuage va heurter le tien. Je ne vois pas ce qu'il y a de mal à penser ainsi. En fait, je partage l'avis de Michel-Ange. Il est beaucoup plus dangereux d'entretenir de faibles attentes à notre endroit que l'inverse. Le conseil de Michel-Ange est tout aussi valable aujourd'hui qu'il l'était à son époque il y a de cela cinq cents ans. N'écoutez jamais ceux qui tentent de vous refiler leur pessimisme. Ayez confiance en vos capacités, visez haut, refusez les pensées sans envergure et les attentes qui n'engagent à rien, et surtout ne vous laissez pas séduire par cette idée absurde qu'il est dangereux d'avoir trop d'espoir. En fait, le fait d'avoir de grandes espérances vous guidera sur le chemin de la guérison et vous aidera à produire vos propres chefs-d'œuvre, qu'il s'agisse d'une fresque ou d'un panier de fruits. Pour mettre en pratique le conseil de Michel-Ange, suivez ces règles de base. Refusez d'écouter ou d'intérioriser les déclarations de ceux qui se targuent de connaître vos limites. N'oubliez jamais ceci. Quand vous vous disputez au sujet de vos limites, vous n'en retirez que de nouvelles limites. Par-dessus tout, ne visez jamais trop bas et n'entretenez jamais de pensées sans envergure. Vous êtes une divine manifestation de Dieu et à cet égard, vous êtes en contact avec ce qui provoque et crée les miracles. Quand vous aurez déterminé ce qui vous intéresse dans la vie, si vous vous sentez mal équipé pour en faire une réalité, imaginez Michel-Ange à 99 ans en train de peindre, de sculpter et d'écrire. Imaginez qu'il vous explique que vous pouvez créer tout ce que vous désirez et que le grand danger n'est pas d'avoir de trop grandes espérances, mais d'atteindre des objectifs médiocres. La nature de la miséricorde n'est pas qu'on la force. Elle vient du ciel et tombe comme une douce pluie sur ce qui est sous elle. Et elle bénit deux fois. Elle bénit qui la donne et celui qui reçoit. C'est chez les puissants qu'elle est la plus puissante. Et au roi sur son trône, elle si mieux qu'une couronne. Son spectre arbore la force du pouvoir temporel, l'attribut de la crainte et de la majesté où siège la peur et la terreur des rois. Mais la miséricorde l'emporte sur le pouvoir du spectre. Elle a son trône dans le cœur des rois. Et le pouvoir terrestre ressemble le plus au sien. Pour la miséricorde tempère la justice. William Shakespeare. Poète et dramaturge anglais de l'époque élisabétaine et jacobéenne. William Shakespeare est l'auteur de langue anglaise le plus célèbre. Comment choisir parmi les œuvres d'un homme que plusieurs considèrent comme le plus grand dramaturge et poète de tous les temps Lire William Shakespeare, c'est se perdre dans une utilisation de la langue anglaise d'une richesse et d'une inventivité sans précédent. Mon choix s'est d'abord porté sur le monologue magistral de Hamlet, où celui ci se pose la question qui hante tous ceux qui cherchent une vérité et une compréhension supérieure. Être ou ne pas être? Telle est certainement la question. Toutefois j'avais l'impression d'avoir traité ce sujet en abordant le conflit qui nous force à choisir entre souffrir les flèches d'un destin monstrueux ou prendre les armes contre une mer de problèmes et ainsi en venir à bout. J'ai finalement choisi cet extrait sur l'éloge du pardon, tiré du Marchand de Venise, car j'ai le sentiment qu'il s'agit des quatorze répliques les plus profondes et les plus réalistes jamais écrites sur cet attribut humain. Vivre l'esprit du pardon et le mettre en pratique tous les jours est la meilleure façon de dompter nos instincts les plus primitifs tout en cultivant l'amour et la compassion. Quand quelqu'un nous blesse, notre première réaction est généralement de nous venger. Notre côté le plus brutal nous pousse à la vengeance, rarement à la miséricorde. Notre côté le plus brutal nous pousse à la vengeance, rarement à la miséricorde. Néanmoins, Shakespeare nous dit que cette miséricorde qu'il présente comme un attribut de Dieu vient du ciel et tombe comme une douce pluie sur ce qui est sous elle, et elle bénit deux fois. Le premier à bénéficier du pardon ou de la compassion est celui qui l'accorde. Pour l'essentiel, ce message résume toute la sagesse de la littérature psychologique, à savoir Ayez de la compassion pour vous même, ne vous jugez pas trop sévèrement quand vous commettez une erreur ou quand vous n'êtes pas à la hauteur de certaines attentes. Adoptez un état d'esprit qui vous permet de vous détacher de vos erreurs et de vos échecs, et d'être bon et doux avec vous même. Pardonnez vous d'avoir été humain, trop humain, au point d'avoir fouillé dans les recoins les plus obscurs de votre être, et d'en être ressorti embarrassé et déçu de vos agissements. Accordez vous cette miséricorde car cette qualité, selon Shakespeare, au roi sur son trône, elle sied mieux qu'une couronne. Et vous deviendrez vous-même miséricordieux. Quand vous êtes capable de vous accorder à vous-même cette première bénédiction du pardon, vous vous ouvrez à la possibilité de l'offrir à celui qui reçoit. Si vous êtes incapable d'éprouver une véritable compassion pour vous-même, vous ne serez jamais capable d'en éprouver pour les autres. Comment aimer les autres quand on ne s'aime pas soi-même Voilà la double bénédiction du pardon dont parle Shakespeare. Il faut une qualité quasi divine pour être capable de regarder dans les yeux ceux qui se sont mal conduits envers nous ou qui nous ont blessés d'une façon ou d'une autre et résister à la tentation de brandir le sceptre de notre pouvoir impérial. Mais quand nous sommes capables de compassion pour ceux qui nous ont offensés, nous en arrivons à un point où le pouvoir terrestre ressemble le plus au sien. En tant que parents ou adultes en position d'autorité en vertu de notre âge et de notre force physique, nous avons souvent l'occasion de déployer les symboles de notre pouvoir royal. Il est particulièrement tentant de distribuer les punitions et de nous venger quand quelqu'un nous désobéit. La compassion est souvent la dernière de nos préoccupations. Mais, j'ai appris à me remémorer à quel point Dieu fait toujours preuve de patience et de miséricorde à mon endroit, même dans les moments les plus sombres et les plus terrifiants de ma vie. Je n'ai jamais eu l'impression d'être abandonné de Dieu, même si plusieurs personnes autour de moi exprimaient tout sauf de la compassion pour mes écarts de conduite. Cette qualité quasi divine est particulièrement utile quand la miséricorde tempère la justice au lieu de la remplacer. Quand je dois remplir mon rôle de père auprès de mes enfants, soit qu'ils aient enfreint une règle, brisé un accord ou fait les quatre cents coups, je me rappelle ce conseil de Shakespeare, nous encourageant à tempérer l'injustice par la miséricorde. Je leur dis que je les aime et que je sais ce que c'est que faire des erreurs, et par conséquent, je les punis en faisant preuve de miséricorde et de compassion, afin qu'ils se sentent toujours aimés une fois que cet incident est derrière nous. Cette notion d'être toujours miséricordieux s'applique à toutes vos relations, dans tous les secteurs de votre vie. Toutefois, faire preuve de compassion envers ceux qui vous ont offensé ou déçu ne veut pas dire accepter d'être leur victime. C'est plutôt une façon de dire ⁇ Je vous comprends, je me préoccupe de vous et je vous pardonne, mais je ne tolérerai pas d'être traité de la sorte ou que vous pensiez que cela est acceptable. ⁇ par la suite, vous ne ressentirez plus le besoin de vous venger ou de prouver votre supériorité. En étant miséricordieux, vous serez beaucoup moins inquiété et abattu par les comportements malveillants dont vous êtes chaque jour témoin. Vous deviendrez capable de répondre à celui qui vous a offensé par des paroles d'amour, et vous ne serez plus obsédé par la colère, la haine, et finalement le désir de vous venger. Comme le dit Shakespeare dans cette pièce absolument passionnante, c'est chez les plus puissants que la miséricorde est la plus puissante. Autrement dit, plus vous êtes puissant, plus votre capacité à pardonner témoigne de votre puissance et moins vous aurez à faire l'étalage de vos symboles d'autorité. Mettez en pratique les idées avancées par l'un des plus grands manieurs de mots de l'histoire. En adoptant les suggestions suivantes. Quand vous êtes confronté à une situation, vous devez déterminer ce qui est juste ou non. Soyez conscient des deux côtés de votre propre personnalité. Le premier côté est celui du roi qui détient le pouvoir de punir, l'autre, celui de l'être miséricordieux qui offre amour et compassion d'abord et avant tout. Bien sûr, je vous encourage à rechercher la justice, mais assurez-vous de la tempérer par la miséricorde. Accordez-vous la compassion que vous méritez, quelles qu'étaient vos actions passées. Arrêtez-vous de juger aussi durement. Toutes ces erreurs et mauvaises actions étaient nécessaires afin que vous puissiez surmonter cette étape de votre vie. Une fois que vous avez fait état de vos sentiments et que justice a été rendue, Passez à autre chose. Faites-le tout de suite. Ne gardez pas rancune et ne culpabilisez pas les autres en leur rappelant constamment ce qu'ils vous ont fait. Cela ne ferait qu'entretenir votre propre dissonance. Passez à autre chose. Remettez tout ce qui vous rend confus entre les mains de Dieu. Dites simplement, Mon Dieu, je trouve cela extrêmement difficile de pardonner. Et c'est pourquoi je m'en remets à vous. Je sais que vous me guiderez afin que je me conduise avec miséricorde et humanité. Ce geste vous libérera de cette colère qui vous paralyse et vous aidera à voir le Saint dans le pécheur, car au fond, ils ne font qu'échanger leur rôle. Brisbane, où Dieu se révéla à nous deux. Nous sommes les seuls à connaître la magie et l'émerveillement de cette présence. Contre toute attente, notre lien avec l'éternité renforcé, consolidé. Et pourtant, le paradoxe demeure. Nous maîtrisons, nous ne maîtrisons pas, condamnés à faire des choix. Tout ce que je sais, c'est que notre amour est scellé pour toujours. Wayne Dyer. Âme infinie déguisée en époux, en père de huit enfants, en écrivain et conférencier, Wayne Dyer est l'auteur de ce livre audio et de seize autres ouvrages, dont trois manuels scolaires. Je conclus sur un poème que j'ai écrit pour mon épouse, Marcelaine, en espérant que vous aussi prendrez votre plume et laisserez de côté votre peur d'être ridicule, embarrassé ou injustement comparé à de grands poètes, pour exprimer vos sentiments les plus intimes à ceux que vous aimez. Ce poème s'intitule Brisbane car c'est dans cette ville du nord de l'Australie que j'ai senti et compris de manière absolue il existait une force à l'œuvre dans l'univers, une force que j'appelle Dieu. C'est là que j'ai appris à connaître Dieu, alors qu'auparavant je ne le connaissais que de nom. En février 1989, ma femme Marcelaine et deux de nos enfants, qui avaient à l'époque un an et demi et trois ans et demi, m'accompagnèrent en Australie pour une tournée de conférences. Ce jour-là, après avoir donné une conférence devant un large public, nous rentrâmes à notre hôtel de Brisbane complètement épuisé et je décidai de me retirer pour la soirée. L'un des enfants dormait avec moi tandis que Marcelaine dormait ou s'occupait du bébé dans le lit adjacent. À quatre heures du matin, il se produisit quelque chose qui n'était encore jamais arrivé et qui ne s'est jamais reproduit depuis et qui me fit littéralement sursauter. Mon épouse sortit de son sommeil profond et se mit à ranger la chambre. Elle prit le petit qui dormait dans mon lit et le mit dans le sien avec notre petit garçon d'un an et demi. Elle vint ensuite se coucher dans mon lit et se blottir contre moi. Cela ne lui ressemblait pas, surtout qu'elle allaitait notre fils. J'étais dans un état de choc semi-conscient, pensant que je faisais un rêve. Au cours des huit années précédentes, ma femme avait été soit enceinte, soit en train d'allaiter, ce qui avait eu pour effet d'arrêter complètement son cycle menstruel. De plus, on lui avait assuré qu'elle ne pourrait plus tomber enceinte, étant donné qu'on lui avait enlevé un ovaire au cours d'une opération chirurgicale. Mais pour ne pas courir de risque, nous utilisions quand même une méthode de contraception. En plus, je me retirais toujours au moment critique pour vous montrer à quel point nous étions prudents. Néanmoins, malgré toutes nos précautions, à quatre heures du matin, à Brisbane, en Australie, fut conçue notre plus jeune fille, CJ Ekis Dyer, qui devait venir au monde le 16 novembre 1989. Pourquoi mon épouse s'était-elle réveillée à ce moment précis Qu'est-ce qui avait provoqué l'étrange comportement quasi obsessif de cette femme qui ne perd jamais la maîtrise d'elle-même Quelle force était à l'œuvre cette nuit-là Qui en est responsable s'est révélé une force d'amour fusionnel dans notre mariage et pourtant lorsque j'appris que ma femme était tombée enceinte à la suite de cette merveilleuse et étrange nuit de passion, je compris comme mon épouse que des forces avaient planifié la venue de ce petit ange dans le monde matériel à travers nous, malgré notre décision de ne plus avoir d'enfant la chirurgie. Les moyens de contraception, le retrait, l'absence de cycle menstruel qui aurait permis de suivre le processus d'ovulation, et le fait d'être profondément endormi dans un pays étranger, tout cela était autant d'obstacles insignifiants pour cette force de vie qui voulait se manifester dans le monde matériel. Le jour de la fête des mères, la même année, j'écrivis Brisbane pour mon épouse. Il fait aujourd'hui partie d'un collage que je fis encadrer en souvenir de notre voyage en Australie. Mais peu importe le nombre de mots que je coucherai sur le papier, et même si je veux désespérément transmettre le caractère unique de cette expérience, comme je le dis dans mon petit poème, nous sommes les seuls à connaître la magie et l'émerveillement de cette présence. Depuis, je n'ai jamais douté, ne serait-ce qu'un seul instant, de la présence de Dieu dans ma vie. Quand je repense à cet événement, le lien qui m'unit à cette force divine omniprésente et omnipuissante s'en trouve renforcé et consolidé. Mais cette expérience m'a également fait comprendre que toutes les âmes qui se manifestent sous la forme d'un être humain font aussi partie de ce plan divin. Nous aimons à penser que nous maîtrisons ce genre de choses, même si nous savons au fond de nous-mêmes que rien ne peut arrêter une âme déterminée. Le paradoxe de ce vers, condamné à faire des choix, est évident. Nous maîtrisons tout et en même temps nous ne maîtrisons rien et nous devons apprendre à vivre avec cette énigme qui est au cœur d'une véritable compréhension de Dieu. Mais quelque part au fond de vous-même, dans un petit recoin de votre conscience, sachez avec certitude qu'une présence divine est à l'œuvre en vous et dans l'univers, une présence qui ne commet jamais d'erreur malgré ce que vous en êtes venu à croire au fil des années. Nous faisons partie d'un système intelligent au sein duquel nous entrons et sortons toujours à temps. Je termine avec une citation prise dans l'ouvrage A Course in Miracles. Si vous connaissiez celui qui marche à vos côtés sur le chemin que vous avez choisi, vous ne connaîtriez jamais plus la peur. Namasté, ce qui veut dire. Je salue ce lieu en vous où nous ne faisons qu'un. ADA Audio vous a présenté La sagesse des anciens de Wayne Dyer. À la narration, Vincent Davy, Caroline Boyer. Choix de texte et adaptation audio, Cécile Roland et Jacques Gladu. Révision, Cécile Roland. Réalisation, musique et enregistrement, Louis Lachance. Ce livre audio est une adaptation du livre La sagesse des anciens, édité aux éditions ADA.